l'écran pour pas avoir trop l'air d'un con. Si j'avais su qu'on était en vidéo, Voilà, c'est bon, j'aurais c'est bon. soigné le décor. Eh ben écoute, tu vas faire pire que moi. Bonjour Eric. Salut David, ça va? Ben, ça va, aujourd'hui on est deux, vous avez vu? Alors j'espère que vous êtes là. Salut Sionharmonix, salut Axel, toujours les fidèles, salut Margounette, les autres vont arriver gentiment. Ben, je suis avec Eric aujourd'hui, vous le voyez, Eric Cubizol, hein, avec qui on a déjà fait une émission sur les trackers Amiga pour faire de la musique. J'aimerais bien faire un deuxième volet d'ailleurs, c'était vraiment chouette. Ça va Eric? Ça va très bien, je te remercie de m'inviter dans cette émission, c'est gentil. Ben, écoute, c'est un plaisir, depuis tant qu'on en parle, j'aimerais bien qu'on en fasse plus ensemble. Salut Hakim. Ah, salut Hakim. Aujourd'hui, donc avec Eric, on vous propose un petit concept un peu différent de d'habitude. Déjà, est-ce que vous vous entendez bien? Je vous ai pas demandé, je suis pas poli, mais je pense que oui. Donc, on a un concept d'émission suggéré par Eric, d'ailleurs. Hein. Alors, Eric, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, grand ordonnateur du rétro gaming dans ce pays, auteur de la Bible de l'Amiga. Si vous en avez un, je suis toujours preneur, puisqu'il n'est pas réédité. Il est extrêmement actif autour de l'Amiga, mais pas seulement, hein, autour du rétro gaming aussi. Il a un site qui s'appelle Amiga Museum, et il est aussi auteur, évidemment, de l'acclamé mondialement Space Race, auquel on joue ensemble tous les samedis. Et on a Hakim avec nous également, qui est le développeur de ce jeu. Donc on est plutôt bien entouré ce matin. Donc pour revenir à l'idée de cette émission, on va vous parler d'Amstrad ce matin. D'Amstrad CPC, hein, l'Amstrad on va dire canonique, hein, parce que les Amstrad 15-12, tout ça, on s'en fout un peu. Et on va vous passer en revue quelques jeux par année d'existence de l'Amstrad. Moi, je vais jouer, enfin comme d'habitude, hein, vous savez mon niveau. Et Eric va nous raconter quelques petites anecdotes, ou en tout cas nous remettre dans le contexte pour chacun des jeux qu'on va passer en revue. Alors, on a un programme ambitieux, on verra si on le tient. Sinon, ça l'obligera à revenir et moi, ça me fera plaisir. Après, ce sera pas forcément la semaine prochaine parce qu'il y a un planning chargé, chargé. Mais voilà, on fera peut-être d'autres choses. Et puis, si ça marche, là, j'en profite, hein, je t'en ai pas encore parlé, Eric, mais si ça marche, on fera ça sur Amiga, par exemple. Avec plaisir, avec plaisir. Super concept, nous dit Hakim. Bon, salut Pierre, salut Pierre Delpiotte. Eh bien, écoutez, on commence tout de suite, Eric, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Alors, on va basculer, on va passer sur une autre scène. Alors, peut-être que vous allez avoir un petit moment d'écran noir nous concernant, mais c'est pas très grave, ça va revenir. Ah ben non, regardez, ça marche du premier coup. Incroyable, la technologie, c'est quand même quelque chose. On commence par, ben vous le voyez, Roland in Time. C'est ce que j'ai en tout cas dans ma liste. Roland in Time, c'est 84. C'est C'est un des premiers ça, ouais. jeux. C'est Je te ça. laisse un peu nous dire Alors, ça. Moi, je c'est ça. Alors déjà, je voudrais te remercier de m'avoir invité, comme j'ai dit, dans cette émission, parce que l'Amstrad, c'est quand même une machine de cœur pour moi. On sait que j'adore l'Amiga, mais l'Amstrad, je l'ai eu juste avant l'Amiga, et vraiment, vraiment, j'ai passé mes meilleures heures dessus. Hein. Donc, c'est vrai que j'ai suivi la Logitech de A à Z, puisque j'ai eu la machine du début jusqu'à la fin de sa vie. Et la Logitech est énorme sur Amstrad. Hein. Il y a, je Ouais. crois que référencé 18 000 jeux, quoi. C'est énorme. 18 jeux, Ouais, putain. enfin, il y a 18 000 logiciels. Et si tu veux, là, je m'étais dit choisir deux jeux par année, ça va être facile. Mais non, c'est une horreur. C'est très très difficile parce qu'il y a tellement de jeux qu'on a envie de mettre en avant. Donc, je me suis fait violence. Hein. J'ai fait une sélection complètement subjective. Hein. Il y a Ouais. vraiment, voilà, ça sera peut-être pas les jeux que les gens auraient choisis, mais c'est Sélection des que jeux je qui m'ont découvre, entre marqué. parenthèses. Oui. Donc là, on démarre ouais, avec Roland in Time. Donc, Roland in Time, c'est un des premiers jeux que j'ai lancé sur ma machine. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une démo jouable sur les disquettes système de l'Amstrad, dont les disquettes CPM. Je ne sais pas si tu te souviens, David.
Il y avait Bien une sûr. disquette CPM et dessus, il y avait un petit fichier qui s'appelait Raw in Time. On faisait un petit run Raw in Time et on arrivait sur la démo du jeu jouable. Donc, c'était super. Donc, c'est vraiment le premier jeu que j'ai lancé sur l'Amstrad. Et donc, ce jeu, il se passe dans l'univers. Est-ce que tu as reconnu l'univers? Je devrais. Ouais, tu devrais, je pense. C'est connu, hein. Ben non, je sais pas. Il y a des oiseaux, des sortes de poulets morts qui volent. Ouais, c'est pas le plus important. Il y a un singe là-haut. Est-ce que tu Qu'est-ce que ça? vois ton personnage, t'as vu de quelle sorte de porte il sort là? C'est une cabine Ouais. téléphonique en fait, hein. C'est une cabine Ah, téléphonique. tu crois que c'est Docteur Who? Ouais, c'est Doctor Who. Oui, c'est Doctor Who. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais au démarrage du jeu, on entend la musique et c'est la musique du générique de Doctor Who. Ah bon, mince. Ouais. Dire que S20B est même pas là. Merde, je me suis fait encore avoir par l'algue là. Alors, c'est un die and retry, hein. Il est très très difficile, c'est-à-dire sur chaque tableau, il y a un puzzle à résoudre pour Ouais. passer au suivant. Il y a des pièges de partout, en fait, hein, faut faire très attention. Et donc, on avançait comme ça dans les niveaux, là, je vois que tu te débrouilles pas mal quand même, hein. T'avances, hein, c'est bien. Ah mais Attention à là, l'arrivée. regarde, j'ai pas réussi à faire demi-tour. Je peux pas. Ah, parce que je suis dans le courant d'eau, donc je peux pas faire demi-tour. Ouais, il y a la physique qui joue. Donc, Roland. Qu'est-ce que je Pourquoi dois Roland faire? d'ailleurs? Pourquoi Roland? Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Roland? Tiens, voilà. Ben, je te le Bonne demande. question. Ah, tu sais pas? En fait, Roland, il y a deux raisons. Je connaissais Roland in the Ropes, moi. Oui, il y a eu plusieurs jeux Roland. Et pour cause, en fait, Roland, à la base, On Amsoft n'a pas le son voulait. du jeu, hein? Vous n'avez pas le son du jeu, attendez. Ah oui, effectivement, j'entends pas le son, oui. Il doit y avoir Est-ce que quelques là c'est bruitages, mieux? hein. Pas plus. Il doit y avoir quelques bruitages, hein. Pas plus. Ah mais vous risquez d'entendre. Ah ouais, j'ai pas pensé à un truc. Non, vous n'avez pas le son du jeu. Toujours pas. Fichtre, nous voilà bien embêtés. Tenez à la bouche. Écoute, tu n'as plus qu'à les faire à la bouche. Est-ce que vous nous entendez deux fois par contre? Bon, et là, vous entendez le son du jeu là. Et là, vous nous entendez, moi? C'est bon, vous entendez tout? Ah, désolé. Alors, en fait, c'est un peu de ma faute parce que le son du jeu est quand même assez strident. Et donc, dans l'émulateur, j'ai baissé le volume. Et du coup, j'ai trop baissé en fin de compte. Du coup, voilà. Donc là, c'est bon. Non, non, Alors, pas de souci. excuse-moi, Eric, je t'ai coupé, mais c'est reparti. Alors, Pas de souci. Roland, oui, en fait, Roland. c'est pas pour rien que voilà, il y a eu plein de jeux Roland, comme tu disais. En fait, déjà, il faut savoir que c'est le prénom de l'ingénieur qui a conçu la gamme Amstrad. Il s'appelait Roland Perry. Donc, en fait, c'est un voilà, petit clin d'œil. Et en plus, c'est l'anagramme d'Arnold, qui était le nom du prototype de l'Amstrad CPC. Voilà, tout symbolique. Voilà. Et si tu veux, Amsoft voulait faire de Roland la mascotte d'Amstrad. Donc ils ont fait tout un tas de jeux à base de Roland, sauf qu'ils se sont bien plantés. Ils ont à chaque fois donné une esthétique différente à Roland. C'est-à-dire que voilà, un coup on l'a sous forme de personnage, comme ici. Dans un autre jeu, il ressemble à un Pac-Man. Dans un autre jeu, il ressemble à une grenouille. Bref, il n'a pas de physique constant comme l'aurait Mario ou Sonic, tu vois. Et du coup, bah, ils se sont plantés complètement. Tout le monde a oublié Roland. Et finalement, c'est les deux crocodiles de la pub Amstrad qui sont restés dans les mémoires, on va dire. C'est ça. Contraction d'Amstrad et Software. Oui. Software. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, petit Roland sympathique. Donc on est au tout début de l'Amstrad là, donc c'est assez archaïque, hein, c'est primitif quand même. Hein. On va voir que plus on avance dans les Ah, années, on va voir que plus on plus les avance dans les graphismes vont années, s'améliorer. Plus les graphismes vont s'améliorer. Les concepteurs ouais. vont prendre possession de la machine et puis ça va aller de prendre possession de mieux en mieux. On est vraiment dans... Mais attendez, j'ai un problème, c'est que... Attends. Voilà, là ça a l'air de marcher. Est-ce que vous entendez tout cette fois-ci? Alors on me dit de baisser le son du jeu, mais non, on m'embête. Voilà, c'est bon là?
Alors, Roland, là par contre, tu vois, j'ai essayé de grimper à l'échelle et j'ai pas réussi du premier coup. Du coup, l'échelle, elle est plus là. Retry, comme disais, oui. C'est un die and retry, comme tu disais, donc t'as foiré, on va dire. Donc il faut repartir, revenir. Enfin, ouais, c'est voilà. Tu vois, de retour, tu as l'échelle. Voilà, là, t'es mort. Donc là, il va falloir grimper et l'échelle s'effondre au fur et à mesure. Il faut aller très vite. Bon. Alors. On me dit qu'on t'entend en double, mais là j'ai plus le choix parce qu'effectivement c'est mon retour à moi. Donc on peut pas faire beaucoup mieux là dans l'immédiat. Ou alors je coupe le son du jeu. Voilà pour Roland. Est-ce qu'on change de jeu éventuellement? On a un petit paquet à passer. On sait que l'Amstrad a eu une durée de vie qui a commencé en 1984 quand il est sorti. Et puis ça s'est terminé aux alentours des années 90. Tout début 90. On fait deux jeux par année, on en est à peu près. Si on fait deux jeux par année, on en est à peu près à 10 dans l'heure, on va enchaîner. Si on veut faire ça dans l'heure, on va enchaîner. On est sûr de pas arriver au bout, quoi, autant dire. Ouais, c'est ça. Surtout qu'à midi, moi, il faut que je filme parce que j'ai la bouffe à faire pour mes filles. Ah bah, bravo. À cet âge-là, ça rigole pas sur la bouffe. Ça rigole pas. Bon, j'ai coupé le son du jeu momentanément parce qu'on t'entend en double et ça c'est de ma faute parce que j'ai oublié de mettre mon petit logiciel de mix de piste audio. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Je mettrai le son juste pour que les gens l'entendent quand il est. Alors je change de disquette là, je passe à Fruity Frank. Donc ça, Fruity Frank, tout le monde connaît, je pense. On va faire un petit reset. Tic tac tac. Et c'est parti. Alors toujours la même rengaine. Hein. On fait un 4 pour savoir ce qu'il y a sur le truc et on lance disque sur celui-là. Hop, vie infinie, non, on est des costauds. T'as vu que oui, je t'ai choisi exprès des vies infinies, je me suis dit. Ouais, mais merci. Je connais ton style. Je me souviens de ce petit logo Kuma. La pomme qui est faite en basique, hein, c'est une fonction mathématique qui construit cette pomme. Tout à fait. Ça charge, hein, vous entendez peut-être le lecteur disquette, je sais pas, dans vos oreilles. Ah bah non. Alors, il n'y a pas de musique hein, pour l'instant, donc c'est pas la peine. Il y a zéro son. Alors, Fruity Frank, c'est une sorte de Pac-Man versus quoi Bon, en fait, c'est même plus précis que ça. C'est la conversion non officielle de Mister Do. Connais-tu Mister Do ou Mister Do en arcade? Pas du tout. Pas bon, c'est un jeu qui est très connu dans l'arcade, dans le monde de l'arcade. Il est assez ancien, hein, et si tu veux, sur Amstrad, et comme sur beaucoup d'autres machines, on faisait un petit peu des conversions pirates, c'est-à-dire non officielles. On faisait des Pac-Man non officieux, on faisait, voilà. Et ben voilà, on a un Mister Do sur Amstrad, et il est très très bien réalisé. Tu vas voir. Est-ce que c'est Mister Do Run Run, nous dit-on? Je crois que c'est simplement Mister Do, hein, Mister Do avec un point d'exclamation. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de manger tous les fruits. C'est ça. Donc, on peut buter les gens avec des pommes, là, si on leur les balance sur la tronche. Comme ça, par exemple. Merde, mais. Je regardais l'autre se faire écraser, du coup, je me suis moi-même fait écraser, évidemment. Ouais, donc là, le gameplay est quand même bien, bien foutu, parce qu'il y a plein de choses à faire. On creuse déjà, donc on crée soi-même le labyrinthe. Ça, c'est pas mal, hein. Exactement. Pas On crée son labyrinthe, donc on crée le niveau de jeu. On a des pommes à pousser pour écraser des monstres, donc il y a de la physique. Les pommes tombent, donc il faut faire attention de ne pas se les prendre sur la tête. On a des fruits à récolter à la Pac-Man, donc plusieurs gameplay mélangés. Les personnages ont des intelligences artificielles différentes. Il y en a qui font un peu n'importe quoi, il y en a une qui nous fonce dessus, un peu comme dans Pac-Man. Et le but du jeu. Voilà, exactement. Il y a un timer, donc là il s'est pas déclenché, mais si tu mets trop de temps, au bout d'un moment, il y a une fraise rose là qui arrive et qui te fonce dessus. Ouais, on a une arme. Tu as vu que tu as une petite arme. Oui, c'est vrai qu'on l'utilise jamais d'ailleurs. Mmh. Ouais, on a une arme qui part en zigzag, donc c'est là aussi il y a de la recherche. C'est pas une arme je qui vous part. Montrer l'arme. C'est une arme qui zigzague dans les couloirs qu'on a créés précédemment. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que tu vois, au milieu, il y a un nid qui clignote. C'est de ce nid que sortent les monstres. Si tu passes sur le nid, ben en fait, tu détruis le nid et les monstres ne sortent plus. On va essayer. Si on passe dessus, simplement, il ne faut pas tirer dessus. Non, tu passes juste dessus. Alors, c'est compliqué, voilà, c'est pas se faire toucher.
Voilà, et donc là, t'es tranquille, les monstres sortiront plus. Mince, attends, je voulais vous montrer l'arme, et du coup... Alors, il n'y a pas de son, mais le son est très basique, hein, donc ça ne vaut pas vraiment le coup que je l'active, ça fait juste bip bip. Ah, quoi qu'il y a une petite musique qui est assez entêtante. Voilà, je balance ma balle, là, vous avez vu ? Bah oui, mais oui. Il y a une super musique, et chaque musique est une musique connue. Bon, attendez, je mets la musique 2 minutes, hein. On y entendra Eric en double, éventuellement. Je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Est-ce que vous avez la musique ? Voilà. Alors il faut dire que la pomme nous tombe aussi dessus. C'est ça. Et oui, on nous parle de boule d'or d'âge dans le chat, évidemment. Oui, c'est un mix de tout un tas de jeux connus, mais qui avait déjà été repris dans Mister Do, ou Do, je ne sais pas comment on dit, mais bref, c'est donc une conversion totalement non officielle. Mais très bien réalisé, c'est ça qui est bien, c'est des conversions. Parfois, on avait des jeux, des conversions, mais c'était moyen. On disait rien de vaut l'arcade. Alors que là, vraiment, on a un truc vraiment génial pour l'Amstrad. Et moi, j'avoue que j'y ai joué des heures et des heures à ce jeu, c'est sûr. Moi aussi. Je recoupe le son du jeu. Hein. Voilà, on est tranquille. Allez, une dernière vie et puis on passe à un autre jeu. Hein, parce que... Regardez la balle, là. Je vais balancer la balle du plus loin possible que vous ayez temps d'avoir. Paf, vous avez vu ça ? Ah bah lui, il court très vite, alors il est chiant. Ah oui, lui, il va très très vite. Il y a une chose qu'on peut dire aussi, c'est que les tableaux, au fur et à mesure de la progression du jeu, changent, deviennent de plus en plus difficiles, on a des configurations... Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans le gameplay, là. Vraiment beaucoup. Ouais, c'est assez riche. Hein. Et puis, finalement, tu vois, on peut pas dire que c'est magnifique, mais c'est pas choquant de jouer à ce jeu aujourd'hui. Il a rien perdu de son intérêt, quoi. Bah, il fait très cartoon. Et on sait que les jeux qui sont cartoon, qui tirent pas vers le réalisme, en fait, bah, ils traversent le temps. Ça vieillit mieux. Ils traversent le temps parce que bon, on garde les yeux d'enfants qu'on avait quand on a joué et du coup, bah voilà. Mais tu vois, en termes d'animation du personnage, c'est la même année que Roland et pourtant. C'est mieux. C'est mieux, ouais. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hop. Et là, ça s'accélère, vous entendez, la musique s'accélère un peu comme dans Mario, là, quand c'est le dernier tour. Parce que on approche de cette fatidique. Ce fatidique time-out, on va dire, où il y a l'espèce de méchant qui vient nous bouffer, un peu comme dans Bubble Bobble. Là. C'est ça, une fraise. Là, c'est une grosse fraise rouge qui te fonce dessus. Vous avez vu, c'est coloré quand même. Hein. Alors, on est en mode 0, donc 16 couleurs. Donc, graphiquement, c'est plus grossier parce qu'on a des pixels assez larges. On mais est en quoi ? En 160 par... Par 200. Par 200, ouais. 160 pixels de large par 200 de haut, vous imaginez ? C'est presque incroyable, c'est la taille d'une icône aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on change de jeu, parce que... Allez, on change de jeu. On passe en 1985. Carrément, quoi. Carrément, bon d'un an. Un saut dans le temps, incroyable. Et là, vous allez voir qu'on fait un saut aussi technologique, quand alors, même. Alors, tu m'as dit de prendre lequel ? Tu m'as dit Macadam Bumper en premier. Allez, si tu veux, Macadam Bumper, pas de souci. Ils sont classés par année, pas par mois de sortie, donc... Je vais prendre dans l'ordre que tu me l'as mis dans le document, moi, tu sais, je suis discipliné. Run menu. Donc, Macadam Bumper, c'est un jeu de flipper. Et pour ajouter des crédits, X et... quoi ? Donc, tu as vu dans le menu, tu avais la version 1, Macadam Bumper normal, et la version 2, Macadam Bumper nu. Ah, mince. Tu as pris le 1, tu as très bien fait. Tu as très bien fait d'avoir pris le 1. Très bien, j'entends ce que tu me dis. Ouais, en fait, j'expliquerai pourquoi il y a une version nue. Ah, mais je me souviens de cette image, Rémi. Elle était géniale, cette image. Génial, génial. C'était un cas d'école du pixel art, quoi. Elle était vraiment incroyable. C'est Michel Rowe qui l'a faite. Et Michel Rowe, c'est un artiste de fou, quoi, de folie. Il a créé de très, très belles images sur Amstrad. Ouais, il n'y a pas de musique. Sinon, on entend deux fois Eric à cause de moi parce que j'ai oublié de changer de canal pour l'émulateur, et je ne veux pas couper et relancer, c'est Eric n'a pas trop le temps. Donc voilà. Après, vous ne perdez rien. Si les musiques sont sympas, je vous les active un petit moment, mais sinon, voilà. Écoute, on va jouer. Alors, redéfinir les touches, à la limite, je vais faire ça, parce que ça me permettra de savoir exactement ce que je fais. Vous voyez, flipper de droite, je ne sais pas ce que c'est que ce caractère, par exemple. Donc, on va dire que flipper de droite, c'est ça. Flipper de gauche, ça va être ça. Taper sur le côté droit, ouais, je m'en fiche, mais on va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Non, ça n'existe pas comme touche. Ok, donc on va dire que c'est ça.
taper sur le côté gauche, on va dire que c'est ça. Échappement de la balle bloquée, bah, c'est très bien. Mettre une pièce P, c'est très bien. Débuter une partie D, c'est très bien. Et quitter le jeu, escape. Allez. C'est ça qui est, c'est la dame qui était toute nulle. Ouais, donc j'expliquerai pourquoi il y a une version nue après. Donc Macadam Bumper, c'est le tout premier jeu de Rémi Herbulot. Donc lui, il est assez connu dans le monde des... Regarde comment on lance la balle. Alors, pour lancer la balle, c'est les deux flips en même temps. Ah vraiment. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien. C'est ça ? Voilà. J'ai défini des touches que j'avais déjà oubliées. Ça fait peur. Voilà, donc ouais. Là, on n'est pas dans Pinball Dream. Hein. Non. Faut dire qu'il y a quelques années qui se sont écoulées entre les deux. Donc, ce jeu, à la base, il s'appelle Multiflip, quand Rémi Herbulot en a l'idée, voilà. Et il a envie de créer un jeu de société, il a envie de créer un jeu de flipper, parce que à l'époque, déjà, les flippers, c'est dans la tendance. Et surtout, il se dit, les gens adorent le flipper, sauf que pour jouer au flipper, il faut se rendre dans un bar, ou en acheter un, c'est onéreux, ça prend de la place. Moi, j'ai une super idée. Je vais créer un jeu vidéo de flipper. Comme ça, n'importe qui pourra jouer au flipper sur son écran. Donc, il commence à concevoir son multiflip à l'époque. Et puis, il se dit, mon flipper, il est bien, mais il manque quelque chose pour qu'il soit vraiment, vraiment addictif. Et il est en voiture un jour. Il est en voiture. Le paysage défile. Quand tout d'un coup, il a une idée de fou. Il se dit, à ce flipper, je vais lui mettre la possibilité de créer ses propres tables. Voilà. Et voilà. Et il insère comme ça dans son flipper, eh ben, un éditeur de table qui permet à quiconque de créer ses propres tables. Ouais. Donc, on va pouvoir disposer ses flips, voilà, ses bumpers. Les bumpers, etc. Ouais. Donc, ça, c'est la et grande nouveauté. Ça marchait jamais. Ah, oui, c'est et vrai. Ça marchait jamais parce qu'on les mettait jamais comme il faut et c'était impossible à jouer, quoi. La physique faisait que, ouais, ça marchait pas bien. La chose qui l'a beaucoup chagriné, Rémi Herbulot, c'est que quand il a eu cette idée, qu'il a implémenté cette idée dans le jeu, il était comme un dingue parce que pour lui c'était l'idée du siècle. Sauf que il s'est rendu compte quand le jeu est sorti que 15 jours avant seulement sur Commodore 64 sortait déjà un jeu qui s'appelait Construction Kit, quelque chose comme ça, je retrouverai. Qui avait aussi cette option. Donc il avait un peu les boules parce qu'il pensait être le pionnier, mais en fait non. Et pourtant là, on peut pas dire que c'était de la copie probablement, parce qu'il y avait pas vraiment Internet, il y avait rien, c'était le hasard pur et dur, quoi. Oui, je me souviens, c'était, je l'ai écrit là, c'est Pinball Construction 7 qui existait sur Commodore 64. Il n'est jamais migré sur Amstrad. Voilà, non. Donc ce jeu, il a été récompensé, il a eu un Tilt d'or en 1985, donc ça c'est une belle récompense de la part de Tilt. Est-ce qu'on peut essayer l'éditeur ? La physique est assez bonne, hein. ça marche assez bien. Ouais, ça marche bien. Donc il expliquait aussi dans une interview que je lui avais donnée à l'époque, il a usé de ruse en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une physique, mais parfois il a carrément programmé des effets sans passer par la physique pour que ça fonctionne en fait. Après, avec la puissance de l'ordinateur, on ne peut pas tout calculer, quoi. Voilà. Bon, il a utilisé pas mal de mathématiques, hein, mais parfois ça ne marchait pas. Alors, tu vois, je ne sais pas si on voit sur celle-ci. Salut, Chicolis. Normalement, il y a un petit EV en haut à gauche. Oui, tu vois, voilà, je ne le voyais pas. Regarde sur ta table. En haut à gauche de la table, tu vois un petit EV qui est inscrit. Oui, oui. Voilà. Ouais. C'est les initiales d'Emmanuel Viau. Je ne sais pas qui. D'accord. Tu sais qui est Emmanuel Viau ? Ben, de nom, ça me dit quelque chose, mais. C'est le patron d'Air Informatique. Donc, ah oui, ouais, c'est ça. J'étais pas sûr, donc je ne vais pas dire de conneries. Et cette table-là, c'est lui qui l'a imaginé, donc il a mis son petit EV en haut. Ah, excellent. Donc c'est la table du patron. On peut regarder l'éditeur, là, éventuellement Ouais. Dessiner un flipper, regardez. On va essayer un petit peu. Alors, confiez à votre choix en pressant de nous la lettre D. Parce que sinon, on efface celui qui est actuellement en mémoire. Hein. On est quand même sur quelque chose de rustique, hein. On va pas se mentir. Alors voilà, donc vous voyez, on a un certain nombre de pièces. Donc voilà, là je prends un je sais pas comment ça s'appelle, un machin comme ça. Là par exemple, une pente. Une pente, voilà. Ici, je vais mettre un truc tac. Voilà, donc enfin, on dessine un flipper, quoi. Enfin, je peux pas vous dire quelque chose de plus simple que ça. Alors, mon kiff à moi à l'époque, c'était de mettre des flips tout en bas pour jamais perdre la balle. J'en mettais plein. Au bout d'un moment, ça buguait parce que les flips se montaient les uns sur les autres, c'était n'importe quoi. Voilà. Et, je vois l'idée, ouais.
genre de partouze de flip. Ouais, ah merde, mais j'ai mis ça là, ça devrait pas être le cas. Quoi. Faut que je fasse contrôle. Voilà. Contrôle. Je sais pas trop quelle touche émule contrôle sur l'émulateur. Bon, enfin, vous avez compris le principe. On pouvait dessiner son propre flipper. Et c'était quand même plutôt canon, quoi. On va pas dire le contraire, voilà. Etc, bah, etc. On ne jouait plus, on créait. Donc, on avait la deuxième phase du gameplay. À passer le jeu, on crée. On crée, ouais. Ouais. Et 30 ans plus tard, Mario Maker. Voilà. Mais voilà, donc c'est chouette. Moi, j'ai passé des heures à créer des flippers qui marchaient jamais, comme je te disais, parce que on était nuls, en fait. Le game design, mine de rien, c'est un métier. Ouais. Et c'est pas si simple. Donc, on peut les sauvegarder sur disquette, etc. Là, il nous disait que ça effaçait la mémoire. J'imagine que c'est surtout pour prévenir les gens qui l'avaient chargé à partir d'une cassette et qui potentiellement devaient recharger toute la cassette s'ils voulaient revenir au flipper d'origine, bien évidemment. Et donc, ça prenait entre quoi, 5 et 10 minutes le chargement d'un jeu. Au moins. Alors, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a une version nue. Exact. Donc cette version nue, elle est disponible sur le DSK que je t'ai donné, là, le fichier pour l'émulation, parce que c'est une version un peu modifiée. Mais à la base, on n'avait pas ça. Hein. Dans le commerce, sortait que la version politiquement correcte, où la dame du ponton, du fronton, pardon, est habillée. Mais il faut savoir que... Habillée. Mais quand même, il faut savoir que ces petits coquins de programmeurs avaient concocté une version nue, où la dame est complètement nue, donc, et cette version, ils l'ont distribuée uniquement aux journalistes de l'époque, pour se les accoquiner un petit peu, pour dire, bon, bah, allez, forcément. Voilà. Donc, ça permettait d'avoir des retours plus élogieux dans les tests, ensuite, dans les magazines. Donc là, on la voit, la dame, avec mon flipper que j'ai créé moi-même. Hein, regardez, il est vraiment merveilleux, mon flipper. Voilà. Alors, regardez, j'ai réussi quand même à... voilà. Et donc, comme effectivement, là, il n'y a aucune chance que la balle ne parte. Tu l'as coincé. J'ai fait un truc plat. Voilà. Donc, c'était quand même difficile. Hein, de faire un flipper vraiment quali, c'était difficile quand même. En fait, pour bien faire, il fallait le dessiner sur papier avant et puis le reproduire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais même, hein, c'était... Ouais, je me souviens avoir fait ça, effectivement. Allez hop, on change de jeu. On est en retard, on va pas se mentir. Donc, t'es sûr de revenir, hein, je te cache pas. Oh, purée. Alors, un petit 4 et un run Cauldron. Donc, là, on passe sur un j'ai jeu. J'adorais ce jeu. Connu, voilà, très connu. Merveilleux jeu. Alors, j'ai un peu du mal avec les claviers. QWERTY, t'es en QWERTY, t'es en quoi? Ouais, l'émulateur est en QWERTY et pas mon clavier, donc voilà. Déplombé, quoi. C'était le terme de l'époque. Ah, les années 80, bah oui, il est, mais oui, on savait rigoler à cette époque, tu sais. On triche? Non, on triche pas. Oh, j'aurais pu, je suis bête comme ça. Ah, alors moi, je me suis décarcassé à te trouver des versions cheatées. Mais j'ai ma fierté, monsieur. Ouais. Ah, attendez, je mets la musique 2 secondes. Là. Ah oui, bah oui, ça vole. Surtout que j'ai une petite anecdote sur la musique, tiens. Ah. Son Harmonix ne s'est jamais remis de « Tu veux jouer avec moi ?» du strip poker. Teenage Queen. Teenage Queen, ouais. Bon, voilà, on passe. Donc, la musique, eh ben, elle a été récemment, c'était en 2005, elle a été reprise par un groupe de rock, de un peu hard rock. Ouais, un plagiat, en fait. Hein. Ils n'ont rien dit à personne, ils l'ont reprise en intro. Ça s'est pas vu sur le coup, et puis au bout d'un moment, Internet aidant, ben, on l'a vu, on l'a entendu surtout. Donc là, je suis aux prises avec des chauves-souris. Hein. Ouais. Je suis une sorcière au nez crochu. Alors, est-ce que tu veux la petite histoire de Cauldron? Ah ben, on n'attend que ça. Hein. Alors. Pourquoi tu crois que t'es là? Ouais. Donc, Cauldron à la base, c'est donc Palace Software qui l'a édité, qui l'a créé. Yes. Il faut savoir que à la base, ça ne devait pas s'appeler Cauldron, ça ne devait même pas se présenter comme ça. Ils voulaient à la base faire l'adaptation du film Halloween, qui était sorti en 1978 en salle. Tu sais, Halloween, le film d'horreur. Le film d'horreur, oui. Voilà. Donc, ils ont commencé à faire un petit jeu, ils ont posé les premiers pixels. Et puis, en fait, ils ont essayé surtout d'avoir les droits du film, parce qu'ils voulaient passer par la voie légale.
Sauf que c'était très très compliqué à l'époque d'avoir les droits du film. Merde. Ils y sont pas arrivés. Ils y sont pas arrivés, mais ils se sont dit, nous on a commencé quelque chose et puis on a envie de faire un jeu dans le thème de l'horreur, d'Halloween. D'Halloween, on, quoi. On va continuer. Et donc ils ont fait ce petit Cold Run qui a une ambiance très Halloween. Hein. On voit une sorcière, on retrouve tous les codes en fait d'Halloween. Hein. Ouais. La sorcière, la chauve-souris, voilà. Et donc ils ont sorti ça suite à leur envie de vouloir faire un remake d'Halloween. Mais ça n'a rien à voir avec le film, du coup. Même pas de près ou de loin. Plus rien. D'ailleurs, dans Cold Run 2, la suite, on incarne une citrouille. Encore l'univers d'Halloween. Exact. Voilà. Et on rebondit et c'est super chiant. Ah, c'est super dur. Alors là, la physique, pour le coup, elle est très très forte. Hein. Elle est très très bonne. Trop et il est dur. Hein. Ah merde, j'oublie à chaque fois que les arbres me tuent. Oui, il ne faut rien toucher. Il faut rien toucher. Tu aurais peut-être dû prendre les vies infinies. Là, alors est-ce que ce jeu a un but, en fait? Oui, il y a un but. De mémoire, hein, il faut récupérer des ingrédients d'une potion magique à la fin. Donc, il y a une dizaine d'ingrédients à récupérer un peu de ci, de là. Et la difficulté, bah, c'est de les trouver déjà et ensuite bah, de ne pas mourir entre-temps. Voilà. C'est quoi les trucs qui clignotent en bas là? Alors ça, c'est de la vie. Donc, il faut que tu te poses. Il faut te poser donc, sur un endroit où il n'y a pas d'arbre. Ouais. Tu vas dessus et tu as ton pourcentage de vie qui va augmenter. Sauf que quand je me pose, j'ai plus d'armes. C'est ça, la difficulté. Alors, les décors sont très, très beaux pour du mode zéro. Hein, on est... Alors là, il y a une petite... Oui, tiens, on peut y revenir là-dessus. Si tu regardes bien l'écran est scindé en deux. On a deux parties. Le bas est en mode zéro, 16 couleurs. Et la partie HUD, qu'on appelle le HUD, est en 4 couleurs, mais très, très fin. Donc, c'est du mode, c'est mode 1. Donc là, on arrive à scinder. Comment ils ont fait ça? C'est techniquement, c'est pas mal. Bah, on arrivait à scinder. Ils le faisaient dans beaucoup de jeux, mais nous, on le remarquait pas à l'époque parce qu'on était c'est pas vrai. Très technique. Donc, on disait, oh, c'est cool, c'est joli. Mais dans beaucoup de jeux, c'est le cas. L'écran est scindé comme ça. Il y a plusieurs parties, mode 1, mode 0 en général. Ce qu'il faut savoir sur Amstrad, c'est qu'il y avait trois modes. Hein. Il y avait le mode 0, donc qui est ce mode-là, le mode de l'écran principal, on va dire, en 160 pixels par 200 pixels. Hein, c'est très petit. C'est ça. On avait le mode 1 qui était le double, en fait, sauf que c'était toujours 200 pixels. N'est-ce pas? Alors, c'était des conneries, Eric. Hein. C'est un petit peu plus compliqué. En fait, on partait du mode 2. Là, on avait des pixels qui étaient rectangulaires, mais sur la hauteur. Exact. Ensuite, on avait le mode 1. Mais on avait deux couleurs. On n'avait que deux couleurs, exactement. Ensuite, on avait le mode 1, où là, les pixels reprenaient leur taille carrée. C'était en 320 par 200, mais on avait quatre couleurs. On doublait les couleurs. Et ensuite, on avait le mode 0, où là, les pixels se trouvaient élargis, hein, sur le sens de la largeur. On doublait. Par contre, on avait 16 couleurs et on était en 160 par 200. Voilà. Voilà. Et le mode 2 était super pour faire des logiciels plus professionnels, entre guillemets, voilà. Des petits traitements de texte, des conneries comme ça. Regardez, il y a un dentier qui me poursuit. Une plante carnivore volante. Ouais, une plante carnivore, mais supra-carnivore, quoi, parce qu'elle bouffe les humains, quoi. Donc là, si tu avances un petit peu ou si tu recules, au bout d'un moment, tu vas arriver vers des grottes. Il faut rentrer dans des portes et là, tu atteins des niveaux intérieurs, c'est-à-dire carrément des cavernes. Ah, et on se retrouve un petit peu dans Roland, dans le style de Roland, où il faut vraiment sauter au pixel près, gérer ses déplacements. D'ailleurs, là, il y a une petite anecdote. Regarde, il y a une petite porte là. Voilà, si tu arrives à la prendre, il y a une petite anecdote, c'est que le plus gros problème du programmeur et du graphiste, c'est situé au niveau de ces portes. C'est justement quand on rentre, tu vois la porte, elle s'ouvre, elle se ferme, et ben leur difficulté. Alors j'ai gardé la petite phrase parce que j'avais donné une petite interview. Il m'avait écrit le plus gros casse-tête que nous avons eu à résoudre, c'est situé au niveau de l'animation de l'ouverture des portes, qui devait absolument rester crédible malgré le fait que le positionnement parallèle de la sorcière ne facilitait pas la tâche puisqu'elle se trouvait à la fois devant et derrière. Donc, en fait, c'est sûr. Il fallait donner cette impression de je passe la porte sur un seul écran. Mais c'était pas facile. Donc là, ils ont galéré. Ils ont vraiment beaucoup galéré. Ouais, donner de la profondeur. Mais là, je sais pas l'ouvrir la porte. Alors, c'est peut-être parce que t'as pas la clé. Ah ouais, c'est ça. J'ai pas récupéré de clé. Ouais. Ouais. Il y a une clé qui se situe, si mes souvenirs sont bons, sur la gauche. Bon, je suis mort. Hein. Je suis mort. On change de jeu, du coup. Allez, changeons de jeu.
Donc là, voilà. Moi, c'est vraiment l'atmosphère qui m'avait captivé dans ce jeu. Ah bah ouais, mais j'avais beaucoup joué ça, mais c'est incroyable comme en y rejoint. Après, bon, il faudrait y passer un peu plus de temps, évidemment. On change d'année, dis donc. 86. Et on 86. Va attaquer par un jeu qui a fait la polémique. Ah, je sais lequel, les deux. Mais pas sur Amstrad. Alors, je vous expliquerai pourquoi. C'est Batman ou Woody Arwins? C'est Woody Arwins. Woody Arwins, oui, plutôt. Woody Arwins, tout. 4. Et le tout est important. D'accord. Alors, je run. Allez, run. Alors, pour lancer les jeux, il fallait, écrire leur nom, hein, enfin, écrire le nom du fichier correspondant. Woody Arwins. C'est tout. Donc quand on va le lancer, je pense que beaucoup vont reconnaître le jeu. Infini là. Grenade, tout infini parce qu'on est des petits foufous. Ouais. Et puis c'est nécessaire là. 86, t'avais 11 ans, bah ça va. Moi j'en avais 17. Alligator. Vous entendez le... Ah ben non, vous entendez pas, mais ça simule le chargement de la disquette. Alors attendez, je vous mets un peu de musique. Voilà. Voilà, on a le thème principal, hein, c'est bon. Alors, raconte-nous. Alors, Woody Arwins, alors je pense que rien qu'en regardant l'écran, on a compris quel genre de jeu c'est. Hein. C'est un commando-like. Voilà, c'est un commando-like. Donc, en gros, l'histoire, elle est un petit peu compliquée pour ce jeu. C'est vrai que quand on est sur Amstrad, on a connu que Woody Arwins 2, le numéro 2. Et le 1 n'existe pas dans la logistique. Oula, je vais y arriver. Dans Logitech. C'est le matin, j'ai du mal. Donc, on est en droit de se demander, mais où est passé ce numéro 1? Mais en fait, il faut passer sur Commodore 64 pour le trouver. Et il a une petite histoire. Oui, c'est très, très dur. Tu vas voir, tu meurs à chaque coin de rue. Hein. Donc, l'histoire de Woody Arwins, c'est que... il est sorti déjà sur Commodore 64 et en fait, eh ben, y a la société Elite qui a vu rouge quand Woody Arwins est sorti parce qu'ils ont dit « Eh mais oh là, oh, c'est Commando là, vous avez fait un remake de Commando sans nous prévenir et nous on est actuellement sur la conversion officielle, donc ça va pas du tout. » Surtout que Woody Arwins, jeu d'arcade aussi. Hein. Oui, très très bon jeu d'arcade, mais c'est vraiment une copie en fait, à part les graphiques. Ouais, les couleurs des persos, à part ça, ouais. Voilà, c'est exactement pareil. Hein. Donc, ils ont vu rouge et ils ont dit non, ça va pas du tout, surtout que Woody Arwins est sorti avant qu'on ait fini de faire notre commando. Donc, ils ont carrément saisi la justice et la justice a dit oui, c'est vrai, c'est un plagiat. Ils ont fermé carrément les vannes à Alligata. Ils ont dit top, terminé, vous arrêtez de vendre ce jeu, c'est pas possible. Donc, Alligata a réfléchi, ils ont dit « Ouais, mais notre jeu est quand même bien. » Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remodeler un petit peu. Alors, franchement, ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont remodelé un peu leur jeu. Et ils ont dit « On va le ressortir en version 2. » Et cette fois-ci, on croise les doigts qu'il va passer. Quoi. Et cette fois-ci, effectivement, la loi a dit « Bon, c'est bon, il a été assez remodelé. » Entre-temps, il y a Elite qui a sorti son commando. Donc, tout s'est arrangé et donc sur la Logitech Amstrad, ben, il y a uniquement le 2 qui est arrivé et donc c'est celui-là. Incroyable. Commando, pas si bien que ça d'ailleurs. Ça dépend. Ça dépend. Moi je sais que j'aime bien Commando, mais personnellement, je préfère Woody Arwins 2 à Commando sur Amstrad. Je trouve qu'il est mieux. Oui, voilà. Plus jouable. C'était dans ce sens-là que je le disais. Ah, pas si bien que ce jeu-là, je voulais dire. Ah oui, d'accord, oui, bah, ouais. je te rejoins, je rejoins ton avis. Woody Arwins 2, pour moi, c'est le meilleur. Surtout Commando, ça fait partie des jeux, des conversions qu'on a attendu énormément hein, quand on était jeune. On le voyait dans les magazines, Commando et tout, on était là, ouais, on le veut absolument. Et puis voilà quoi. Alligata, alors, Alligata, ohé, ohé, ok. Tu vois que là, on est sur. Ok. Tu vois que là, on est sur du saut d'écran. Tu as vu, tu passes un écran, oui. On passe. Voilà. Eh bien, en fait, sur Commodore 64 et BBC Micro, on a un scrolling. Eh ben ouais. Mais ça, c'était pas le fort de l'Amstrad, le scrolling. Hein. Non, il savait pas trop faire ça. Ouais. Regardez, il y a un mec qui est en train de se faire exécuter. Là, je suis arrivé trop tard. Ouais, il faut le sauver, pas le tuer. C'est un peu comme dans Metal Slug, il faut sauver les prisonniers. Oui. Qui s'échappe en quel but? On avance en délivrant. Attendez, je vais essayer de jeter une grenade. Voilà. Bim. Donc là, tu vois, tu es arrivé à la fin de l'avant-poste. Il va falloir tuer tous les ennemis.
Voilà, prendre d'assaut, et quand tu auras réussi à le sauver, tu passes à un autre avant-poste, et là on change de décor, et ça continue. Voilà, Wood and Winds. C'est un bon jeu, hein. Ça demande pas mal d'apprentissage. Hein. Bon, on peut tirer dans les directions, hein. C'est bien, parce qu'on peut tirer dans toutes les directions. Je ne sais pas si les ennemis sont random ou si c'est bon. Ou s'il y a des patterns, mais en tout cas, c'est pas facile. Ah, encore un qui va se faire tuer. Vite, ça y est, je l'ai sauvé. Répondre à ta question, je pense qu'il y a des patterns, parce que quand tu meurs souvent dans ce jeu, ce qui est le cas quand tu es mauvais comme moi, en fait, tu te rends compte que les joueurs, enfin les adversaires, se déplacent exactement pareil. C'est toujours pareil, donc il y a moyen de progresser. Quoi. Ouais. Ça se transforme en Frogger, là. Faut que je traverse la route. Ah oui, c'est pas écrasé. Oui, par contre, il y a une IA quand même. C'est-à-dire que, en fonction d'où tu te situes, les adversaires vont tirer en fonction. Tu vois ce que je veux dire? Oui, quand même, Ouais. Tu vois, là, par exemple, tu bouges, mais tu tires plus au même endroit. Ouais. Hein. Exact. Oui, donc la pattern, elle est sur les déplacements, mais par contre, les gugus sont un peu intelligents. Voilà. Et tu vois que ce qui est parachuté, ce sont des armes, en fait, ce qui est parachuté. Hein. Mais bon, comme tu es en vie infinie et arme infinie, tu n'as pas besoin je t'avoue que je me fais pas tu t'en fous. Alors, je vous mets 2 secondes le son du jeu, mais il est tellement sommaire, hein, ça ne sert pas à grand-chose. Putain, j'arrête pas de crever. C'est immonde. Pourtant, on les voit, les balles hein, qui nous arrivent dessus, mais... Le jeu est assez bien fait pour que ce soit facile dur. C'est-à-dire que je pense qu'une fois qu'on a pris le coup de main, on doit pouvoir les éviter, ces balles-là, mais dans un premier temps. En fait, si tu veux une astuce, il ne faut pas se presser. Il faut vraiment se poser. Parce que si tu veux, les balles se croisent à un moment, mais il y a des endroits où tu ne crains rien. Donc tu attends et puis tu analyses. Tu dis, bon, si je fais ça, ça va le faire. Voilà, faut avancer tout doucement dans le jeu. Bah, c'est un peu un shoot'em all, hein. Enfin, un shoot'em up plutôt. Sauf qu'on n'est pas un vaisseau spatial, on est un petit soldat. On appelle ça un run and gun. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de vaisseaux spatiaux. Ouais, c'est ça. Je suis encore mort. Ok, le deuxième, c'est Batman. Batman, voilà. Batman, alors, il y en a eu plusieurs sur l'Amstrad. Ça, c'est le tout premier. Ouais. Et lui, il se joue à la manette. Là, je joue à la manette depuis le début. Hein. Ouais, hein, ça marche bien. Hein. Sauf Roland. Et oui, les premiers jeux, forcément. La manette. Oui, je pensais que les gens n'avaient pas encore acheté de manette. Ouais. Bat, j'ai dû me tromper. Ouais. Batman. On ne sait pas. Il y a 144 kilos de disponibles sur la disquette. Elle faisait combien la disquette d'Amstrad, je ne sais plus. Elle faisait 178 kilooctets. Alors, par face. Par face, exact. On pouvait la retourner manuellement. Hein. Oui. Comme une cassette, en fait. Oui. Regardez ce beau pixel art là, il est chouette. Mode 1, 4 couleurs, sympa. Plutôt joli, hein. Oui. Alors, il faut dire aussi que Eric, à tes heures perdues, tu redessines des images existantes. À la façon de ce que ça aurait été sur Amstrad. Oui, alors voilà, j'adapte. Je suis loin du graphiste, du vrai graphiste qui part de la feuille noire et qui va commencer peut-être qu'un jour, on ne sait pas. Mais pour le moment, oui, je me base sur des illustrations existantes et je fais des adaptations qui fonctionnent sur Amstrad, du coup. Voilà. Ah, il faut faire Enter, d'accord. Bon, pourquoi pas. Bon, on reconnaît la musique. Attendez. Alors, 3D isométrique. Alors là, il y a toute une atmosphère qui s'installe. Ah merde, je ne peux pas jouer à la manette. Là. Ah, tu pouvais pourtant au début. Il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Ah ouais, je jouais tout à l'heure. Alors là. Ah non, mais attends, c'est peut-être. Voilà, c'est moi qui suis bête. Regardez ce beau petit Batman. Il est un peu bedonnant, non? Ouais, mais c'est le Batman d'origine, hein. Le Batman d'origine, je sais pas si tu vois dans la série, il est pas très musclé quand même. Hein. C'est quoi, années 60, c'est ça, ça ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc là, comme je disais, il y a vraiment... fantastique. Ah ouais, mais oui, mais alors là, moi j'ai passé des heures, il y a une atmosphère là aussi qui s'installe un peu comme Cold Run. On est plongé dans la 3D isométrique, les prémices de la 3D, là, c'est
c'était nouveau pour nous, hein. On voyait les personnages en 3D, on avait l'impression d'être immergé complètement dans chaque pièce. Ah bah ouais, carrément. C'est trop bien. Et là, c'est pareil. Chaque pièce, c'est un puzzle. C'est-à-dire que on peut passer pour certaines, on n'est pas obligé de résoudre le puzzle, mais pour d'autres, il va falloir résoudre, ça, trouver le moyen d'atteindre une porte, trouver le moyen de passer sans se faire toucher. Voilà. Il y a des puzzles de partout. Et le but, c'est de retrouver des éléments dans ce château. Hein. Enfin, c'est pas un château, en fait. Je crois qu'on est dans la Batmobile. Ouais, je pense qu'on est dans la Batmobile, je sais pas trop. En tout cas... La Batcave, tu veux dire? Ou la Batcave, plutôt. Ouais, on doit être dans la Batcave. C'est la voiture, fait. La Batmobile, voyons. Ouais, ouais, on est dans la Batcave. Pff, n'importe quoi. Et donc, il faut retrouver des éléments qui vont faire évoluer le gameplay. Parce que là, tu vois... au début du jeu, tu peux pas sauter. Si tu appuies sur le bouton, tu exact. Sautes pas. Ouais, j'ai essayé. T'as essayé, ça marche pas. Donc là, il va falloir retrouver les bottes que tu vois. Tu les vois, les bottes là-bas au fond. Voilà, on a un petit inventaire en bas là. Et est-ce que tu vois les bottes? Il va falloir aller les chercher. Bah oui, Sauf que t'as un méchant qui t'embête. Donc, oui, voilà, exactement. Et voilà. Donc il va falloir trouver. Alors là, comme t'es. Moi, je vais m'échapper là. Je suis ouais, mort, là. Ouais, normalement, tu dois être mort là. Donc là, c'est cuit. Il va falloir. Ah ouais, j'aurais pas dû mettre bien fini, ouais. Bah en fait, si, c'est bien, mais le petit ponton tout au fond, il ne s'écroule pas, celui-là. Donc, c'est celui-là qu'il faut prendre. Ah, c'est ça. Voilà. Et donc, à ce moment-là, tu prends les bottes et tu peux sauter. Et ainsi de suite, comme ça, tu vas trouver des items qui vont te permettre de faire évoluer le gameplay. Donc là, on a un jeu qui est développé par John Rittman et Bernie Drummond. C'est ça. Et j'ai envie de dire, c'est tout. C'est tout, c'est vrai. C'est vrai. À l'époque, aujourd'hui, tu regardes un générique de jeu, il dure une heure, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Tu prends un Assassin's Creed, par exemple, mais à la fin, ça n'en finit plus, quoi. Ça défile. Là, à l'époque, un graphiste, un musicien, à la limite, et un programmeur, ça suffisait, quoi. Souvent, le programmeur était aussi graphiste. Enfin, voilà, c'était multitâche. Ouh, là, c'est compliqué, là. Donc là, j'espère que tu vas réussir à attraper ces bottes. Hein. Ah ben, j'aurais dû aller chercher les bottes là-bas. Ouais, non, mais peu importe. Vas-y, avance. Ça nous fait découvrir des salles. Oui, c'est ça l'idée. Merde. Donc, comme on était un petit peu limité avec le mode 1, on n'avait que 4 couleurs. Bah, du coup, Batman, il change de couleur en fonction des pièces. Des salles, exactement. Là, il passe vert. Enfin, voilà. Donc là, tu vois, on peut pousser des choses. Alors voilà, le gameplay est encore enrichi. On peut pousser certaines choses. On peut éviter d'autres choses. Ah, là, il y a quelque chose. Je vois un paquet à. Il y a un sac à dos, là, ouais. Ouais. Ça va te permettre de stocker. Eh bien, en fait, il faut que tu trouves des items. Alors, si je me souviens bien, alors attends, je vais regarder ce que j'ai noté. Ouais, il faut que tu remportes des objets. Et donc, pour pouvoir emporter des objets, il te faut un sac. Et ben, le sac, tu viens de le trouver. C'est gentil ou c'est méchant, ça? Ça bouge pas, ça doit être gentil. En général, ce qui bouge pas, c'est assez gentil. Voilà. Ah, c'est pareil, hein. Vous n'avez pas de son, mais c'est pas grave, hein. Ça fait juste bilip, 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 bilip. Donc là, j'ai un tapis roulant, hein. Donc quoi que je veuille faire, je suis obligé de suivre le tapis roulant. Quoi. T'es obligé. Et j'ai envie de dire, les puzzles sont très bien pensés. Tu vois, dans ce niveau-là, si tu ne vas pas chercher les bottes, tu ne pourras plus monter nulle part, quoi, parce que tu ne peux plus sauter. Ouais. Voilà. Et bim! Bien joué! Et là, je peux sauter à nouveau. Enfin, je peux sauter désormais. Oui. Tu vas pouvoir remonter. Oui. Alors, je te dis, j'ai un petit décalage entre la vidéo et ce que tu fais. Donc et oui, c'est normal. Ouais. Je commande des choses qui se sont déjà passées. Oui, c'est pas grave. T'inquiète pas. Quand il a dit il est vert et qu'il était déjà rouge, c'est normal. Il était déjà rouge. C'est moi qui suis daltonien, c'est pas lui. Donc là, le mode 1, on voit vraiment la finesse des graphismes. Hein. C'est fin, hein, c'est très fin. C'est le problème, fin. C'est qu'effectivement, il fallait être... Alors déjà, il n'y avait pas 2000 couleurs hein, sur Amstrad. Hein. Mais en plus, les palettes, il fallait bien les 27. Choisir. On avait 27 couleurs et il était au total, assez... Hein. Faut préciser total, ça. Avec le noir, le blanc. Hein. Et on avait des jolis dégradés de bleu, je dirais. Beaucoup de bleu, de violet, de rouge, de vert. Des couleurs très vives. C'est là où le Commodore 64 était fortiche, c'est que lui, il avait une palette de gris ultra riche. Incroyable. Mais au niveau des couleurs, par contre, c'était plus terne.
C'est vrai que c'était très terne. Par contre, il avait d'autres là, points forts. Je suis censé être décédé, là. Je suis censé être mort, mais du coup. Voilà. Mais du coup non. On joue trop longtemps à Batman, là. Allez, on passe à un autre. Oui, tu as abordé le Commodore 64. Souvent, on oppose l'Amstrad au Commodore, mais en fait, chaque machine avait son point fort. Le Commodore 64, que je n'ai pas eu, malheureusement, était vraiment très, très fort dans les animations, dans les scrolling hard. Enfin, voilà, il était très bien. Par contre, c'est vrai que graphiquement, il était terne. Et quand on mettait les deux écrans côte à côte, on disait, ouais, l'Amstrad, quand même, c'est autre chose niveau graphisme. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que puis après l'Amstrad là où il a fait très fort c'est que c'était un tout en un quoi, donc t'emmerdais plus les parents sur la télé familiale et ça c'est là où ils ont fait très très fort. Et une prise à brancher. Comment? Comme disait la pub, une prise à brancher. Une prise à brancher, exactement. C'est un tout. Peu comme l'iMac. Hein. Alors Barbarian, entrée, changer de mode de jeu. Alors connu s'il en est, n'est-ce pas, Barbarian intemporel. Ouais, merveilleux. Voilà, c'est l'atmosphère. Alors les modes, de Conan. Tu te souviens des modes? Mode 1, alors, le CPU. Oui, okay, en ça. Fait, voilà, t'as trouvé? Voilà. Alors. Donc ça, c'est l'univers de Conan tout entier qu'on retrouve. Ouais, je me suis fait défoncer. Donc là, c'est Conan hein, et on reconnaît bien le style. Enfin, on voit bien que c'est un barbare, c'est super bien dessiné. Quoi. Et là, on n'est que 3 ans après Roland. Hein. C'est ça. Donc là, ce jeu, c'est Steve Brown qui a eu envie de le faire parce qu'en fait, il avait vu le film Conan, tout simplement. Il avait adoré Schwarzenegger dans ce film. Il a dit, moi, je veux faire un jeu. Donc, il a fait ça et je trouve que ça reproduit vraiment l'atmosphère du film, quoi. Les combats. Yes, j'ai réussi. C'est incroyable. Oui, tu peux couper des têtes. Alors là, j'ai une belle anecdote sur la décapitation. Je vous la dirai après. Ce que je voulais revenir, c'est sur les mouvements, justement. Tu as vu qu'il y a énormément de mouvements. En fait, les 8 directions sont utilisées. Donc, on a 8 directions sans bouton et 8 directions avec bouton, ce qui fait 16 possibilités. C'est incroyable. À l'époque, il y a très peu de jeux qui exploitaient. J'essaie de vous montrer. Là, par exemple, je peux faire une parade. Bon, là, il m'a attaqué par le bas, mais. Alors, on peut rouler, on peut, bloquer. On peut attaquer, on peut même se retrouver de l'autre côté de l'adversaire. C'est-à-dire que quand l'adversaire fait une roulade et que nous, on saute, on se retrouve de l'autre côté. À ce moment-là, toutes les commandes sont inversées. Est-ce qu'on pourrait dire, avec le recul, que c'est le meilleur jeu de combat sur Amstrad? Franchement, moi, je trouve que oui, carrément. C'est, alors, de combat à l'épée, parce qu'après, on a eu d'autres choses. Hein. On a eu de très bons jeux, je pense pas. Il y en a un qu'on verra d'ailleurs, hein, plus loin dans la liste. Mais, non, il est midi, hein, il est midi moins 5. Hein. Alors, tu sais quoi, pour le moment, j'ai mes affamés de filles qui ne disent rien, donc je pense qu'on personne ne se plaint. Okay. On peut en profiter un peu. Tant que t'entends pas de bruit, on reste là. Tant qu'il n'y a pas de bruit. Donc, la décapitation. Ouais. Alors, il faut savoir qu'elle a une histoire, cette décapitation. Barbarian est connu grâce à ça en fait. Hein. C'était le petit truc gore qu'on adorait à l'époque. Exactement. Donc, elle a été mise cette décapitation dès le début du jeu. Hein. Le jeu a été vendu avec, et ça a pas plu en Allemagne, pas du tout. On sait que les Allemands sont très prudes là-dessus. Hein. Ils aiment pas. Hein. Ils ont continué après sur la Nintendo 64. On a connu des jeux où on enlevait le sang. On a connu des jeux où carrément on n'avait pas le droit de vendre en Allemagne, quoi. Et ben c'est ce qui s'est passé. Quand le jeu est arrivé en Allemagne, il a été banni. C'est-à-dire que il a été considéré comme trop gore. Les Allemands ont dit stop. Il y a eu une plainte de déposer. Ah, carrément, oui. Carrément. Et les concepteurs du jeu se sont retrouvés sur le banc des accusés. Et ils avaient à charge cette décapitation. Et eux, ils se sont défendus. Ils ont dit non, mais ça fait partie du jeu, c'est fun et tout. Et le problème, c'est que lors de l'affaire, en fait, au tribunal, les plaignants ne sont pas arrivés à refaire le mouvement pour décapiter. Magnifique. Donc, en fait, c'est tout simple, faut faire gauche et feu. Ils sont j'essaye, pas arrivés. Hein, mais... Alors, tu fais gauche et feu en même temps. Mais j'en ai fait une au premier match, mais il faut être sur le bon pattern de l'ennemi aussi. Oui, aussi, oui. Mais normalement, gauche et feu, ça marche. C'est une sorte de fatality. Hein. Voilà, bah, tu vois, ils étaient comme toi, ils ne sont pas arrivés à le reproduire. Et du coup les gens ont dit, mais en fait, il n'y a pas ce coup-là, il n'y a pas de souci en fait. Hein. Donc, c'est ils ont génial. Dit, bon,
on ajourne, stop, on ajourne, effectivement, il n'y a rien, du coup, ben, vous pouvez vendre votre jeu en attendant, hein. Donc, ils ont continué à vendre, plus qu'ils pouvaient. Les plaignants, pendant ce temps-là, ils se sont dit, c'est non, pas possible. Ils ont joué, rebelote, ils se sont retrouvés, cette fois-ci, sur le banc des accusés, sauf que, à la manette, il y avait un enfant, en fait, qui a refait la manip, parce que bah, les plaignants n'y arrivaient pas. Donc c'est un enfant qui a refait la manip, ils ont vu qu'effectivement il y avait une décapitation, et là le jeu a été banni d'Allemagne, vraiment. Mais en attendant, ils ont réussi à vendre. Donc le jeu s'est déployé de partout, le piratage aidant, bon ben bah, voilà. Oui, de toute façon. Tous voilà. Les Allemands ont eu Barbarian. Il n'y avait pas les Peggy à l'époque. Hein. Ouais. Qui servent à rien, on va pas se mentir, mais au moins ça tranquillise des parents, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que bon, les parents, c'est les premiers à acheter GTA à leur gamin de 12 ans, mais par contre... Enfin bref. Bah aujourd'hui, ce jeu serait Peggy 18. Probablement. J'arrive pas, hein, vous voyez, il est toujours en train de m'embêter, l'ennemi. Je l'ai fait au premier, j'espère que vous l'avez vu tout à l'heure, j'en ai fait une belle. Alors, ah voilà. L'astuce, c'est qu'il faut prendre une petite distance par rapport ça y est, voilà. Et alors le petit monstre, il est sympa, hein, je sais pas d'où il vient celui-là, mais il est rigolo. Et puis il shoot dans la tête nonchalamment, là, avant de tirer le corps... la morgue. Et oui, la musique sur C64 était effectivement bien supérieure avec le Cid. Ah oui. Le Cid, ben voilà ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Amstrad qui avait un petit synthétiseur Yamaha. C'est vrai que le Cid, bon, ben, c'est autre chose. Ouais. Et voilà, donc là, quand on bat un mec, hein, c'est comme dans n'importe quel jeu de combat, on est confronté à un autre avec plus de skill, hein, évidemment. Et donc, ben, le but, c'est d'aller plus loin possible. Ce jeu est vraiment génial, hein. Je rejoue avec plaisir. Vraiment. Donc là, on a une dizaine de combattants, c'est simplement les couleurs qui changent. Et au bout de la dizaine de combattants, on se bat contre un sorcier, le fameux Drax. Donc là, on change complètement de personnage, de sprite, et on a un sorcier dans sa capuche, comme ça. Exact. détail dont on n'a peut-être pas parlé, mais il se joue à deux. Hein. On peut jouer avec deux humains. Ah oui. Et ça, c'est vraiment le fun absolu. Ça, c'est vraiment le fun absolu. On continue ? Allez, on continue. Tu me dis, hein, si t'entends des estomacs gargouiller, on arrête. Quoi. Pour le moment, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tu m'avais mis deux Barbarian, mais en fait, c'est le même. Alors, on fait Grisor. Ouais, oui. On fait Grisor. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Barbarian, il y a quatre décors différents et on pouvait choisir les décors. Là, on en a un, absolument, sur la forêt, mais on en a selon le jeu qu'on lançait au départ. Exactement. Voilà. Et effectivement, pour répondre à la question de Lilaid il y a 10 minutes, oui, on retournait les disquettes à la main, effectivement. Oui. Alors, j'en ai pas sous la main, c'est dommage. Tu veux que j'aille en chercher une pour montrer à quoi ça ressemble ? Ah, si t'as une 3 pouces qui traîne, ouais. Je vous laisse 30 secondes, je reviens. Donc, c'était les disquettes de format 3 pouces. Donc, nous, on connaît essentiellement les 3 pouces et demi, hein, qui sont les disquettes, on va dire. Classique qu'on connaît, les 3 pouces étaient beaucoup plus épaisses, beaucoup plus solides, beaucoup plus chères, parce que seulement Amstrad, et évidemment, par conséquent, j'ai envie de dire, Sinclair les utilisait quasiment. Hein. Je crois pas me tromper en disant ça. Ouais, elles sont pas grosses, hein, elles sont épaisses. Tu vas voir, c'est des tanks, hein, en fait. Elles étaient plus petites que les disquettes qu'on connaît, mais... Enfin, alors, il y avait 5 pouces 1 quart, hein, les disquettes cartonnées, c'est pas du tout ça. Ça, c'était... Commodore 64 avait ça, avec le fameux lecteur 1541. Là, c'était 3 pouces, c'était très compact, hein, ça ressemblait presque à... Bah, vous allez voir. Oula. Eric a ramené son trésor. Me revoici. Trésor de guerre. Voilà. Alors, déjà, un Amstrad, à quoi ça ressemble ? Donc, on avait l'Amstrad 464. Je te mets en plein écran, là. Donc, voici l'Amstrad 464. Très coloré. J'adorais ses touches. Verte, bleu, rouge. Et on avait ici le lecteur de cassette, pardon. Donc, t'es à l'envers, mais c'est pas grave. C'est dans l'autre sens, normalement. Ah, d'accord. Ouais. Donc, voilà. Et c'est-à-dire à l'envers. Ah, mais je suis à l'envers, là. Non, t'inquiète pas. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc voici l'Amstrad 464. Donc lui, c'est le premier qui est sorti. Ensuite, on a eu le 664. Bon, je l'ai pas parce qu'il est assez rare. Ouais. Et il y a eu le 6128 que voici. Voilà. Et donc, il y avait 128 kilo octets de mémoire. Voilà.
Kilo-octet. 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 Et donc, le lecteur de disquette, c'était là. Et on mettait les disquettes là-dedans. Il est à droite, hein, normalement. Ouais. Et donc, je vais vous montrer les disquettes. Alors, les disquettes. Hop. Allez. Disquettes pirates, forcément. Voilà. T'as des Amsoft, hein, quand même. Ouais, il y a des Amsoft. Alors, voilà comment ça se présentait. Hop. Prenez ça dans la graine, les jeunes. Donc, ce sont des disquettes 3 pouces. C'est une particularité, j'ai du mal aujourd'hui, hein, c'est une particularité de l'Amstrad et de, je crois qu'il y a eu un ou deux autres ordinateurs qui l'ont utilisé. Sinclair l'a utilisé parce que l'Amstrad les a rachetés. Sur ZX, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, c'est des disquettes qui sont rectangulaires, voilà. Donc, on avait une face ici et une deuxième face ici. Et surtout, hyper épaisse et hyper solide. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça, ça se connectait, ça s'insérait ici. Voilà. Et puis on tapait au clavier la commande que David tape, run, le nom du programme. Exactement. Voilà. Et donc tu la retournais à la main. Voilà, on la retournait. Voilà. Comme une cassette, sauf que c'était une disquette. Hein. C'est la même technologie que la disquette qu'on connaît, hein, par contre. On avait aussi ici la protection en écriture. Donc quand on ne voulait pas écraser ses fichiers, hop, on appuyait là-dessus. Ouais. Et puis ça protégeait les fichiers, on protégeait en écriture. Un peu comme une carte SD, hein. Sur la carte SD, on a toujours ce petit mécanisme aujourd'hui. On n'a rien inventé. Oui, on n'a rien inventé. Et ces disquettes étaient chères quand même. Achetait à l'unité, enfin à l'époque, hein. On ne pouvait pas en acheter par 10, enfin si, mais il fallait avoir un peu de pognon. Elles étaient chères parce qu'elles étaient peu répandues. Puisque c'est plutôt les 3 pouces et demi standard de Sony à l'époque qui avaient pris le dessus. Et puis parce que justement, comme vient de le montrer Eric, elles étaient quand même assez sophistiquées, entre guillemets. Hein, donc elles étaient solides, déjà extrêmement solides. Il y avait une plaque métallique qui protégeait le disque. Il y avait ce petit taquet là qui permettait la lecture-écriture. Enfin, c'était balèze, quoi. Et il y avait un mécanisme sur le côté que va activer. Voilà. Donc là, vous voyez bien, là, quand on insérait la disquette, le lecteur, en fait, il avait un petit ergot qui venait ouvrir ici. Et on distingue le disque dedans. Voilà. C'était bien foutu quand même. Hein. C'était bien foutu quand même. Et donc, on avait aussi des boîtiers cristal, ce qu'on appelle les boîtiers cristal, c'est ça. Donc, moi, ils sont un petit peu usés par le temps, un petit peu... Ça, comme les CD. Ils sont passés par maintes mains, parce que ça, je pense que ce ne sont pas mes originaux à moi. Enfin, mes disquettes à moi. Ouais. Donc, voilà, c'est un boîtier cristal. Oui, le terme original était très peu utilisé à l'époque. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est curieux. Très, très peu. Les jeux s'échangeaient tels des druides. Oui. Alors, soit à la cour de récréation, soit on se faisait des journées, des mercredis après-midi où on s'invitait et Discologie tournait toute l'après-midi. Voilà. Discologie qui était un logiciel de copie. Un peu hardcore qui, par hasard, passait outre quelques protections. Oui, tout à fait. Et puis, on a eu, sur le 464, on copiait avec un double lecteur de cassette. Hein. Tout simplement. Alors, certaines cassettes étaient protégées. Ouais. Ouais, puis certaines. Alors, il y a eu une protection de fou. Hein. Il y a eu des protections physiques sur les cassettes où il fallait mettre. Le son était si faible qu'on n'arrivait pas à faire une copie. Il y avait des protections aussi avec. Il fallait mettre une petite mousse pour pouvoir le copier, pour pouvoir plaquer la bande, sinon ça ne marchait pas. Il y a vraiment eu des. Il y a eu des astuces. Fou, hein. Ah ouais. Alors, on lance Grisor, là, mon ami. Grisor. Alors, Grisor, tout le monde connaît, non? Ça, c'est un hit sur l'Amstrad. C'est vraiment. Quand on cite l'Amstrad, on cite souvent Grisor derrière, parce que c'est la conversion de contrat. Contrat ou Probotector, ça dépend. Probotector, oui. Ouais. Donc c'est un run and gun, on en parlait tout à l'heure. Donc là, ce qui étonne tout de suite, c'est la beauté graphique, déjà, très colorée. Les sprites sont petits et pourtant on arrive on arrive presque à voir leurs muscles en fait. Hein. Il y a du relief, il y a du volume, simplement quelques pixels agencés et ça prend vie, ça prend forme, c'est incroyable. Ouais, et les animations sont cool. Hein. On peut se coucher, je ne sais plus comment, mais on peut. Oui, alors pareil, hein, on peut tirer dans tous les sens, sur en biais, devant, derrière. Ouais. On récupère des armes. C'est vraiment un jeu sympa, vraiment très sympa.
Et celui-là, je peux dire qu'il a tourné sur pas mal d'Amstrad à l'époque. Pas évident, pas évident. Ouais, c'est sûr que c'était un sacré jeu. Alors la différence avec Contra, une des différences importantes, mine de rien, c'est que, arrête-moi si je me trompe, mais il lui manque un niveau. Alors oui, il n'est pas complet. Ouais. Et puis aussi, il n'y a pas de scrolling. Voilà, aussi, ouais, ça, vous l'avez remarqué, je pense. Hein, voilà, il n'y a pas de scrolling. Comme disait Eric tout à l'heure, c'est pas le fort de l'Amstrad, hein, les scrolling continuent. Donc bah, vous voyez, quand j'arrive au bout du tableau, paf. Alors là, c'est assez bien fait, quand même. C'est assez dynamique. Graphiquement, ouais. Pour moi, mon point de vue, c'est une des meilleures conversions. Hein, qui dépasse celle de l'Amiga. L'Amiga, c'est une horreur. Hein. Ah ouais, j'ai pas souvenir. Ah, sur Amiga, il s'appelle Super C, si ma mémoire est bonne, Super D'accord. C. Et c'est horrible. Voilà. Mais c'est pas une conversion officielle, du coup, si Si, je crois que si. Bon, je m'avance peut-être, mais je crois bien que si. Donc là, c'est vraiment une exploitation des couleurs qui est au top, parce que on est dans l'ambiance là. Alors c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas d'animation dans le décor. Par exemple là, on aurait aimé avoir une cascade qui bouge. Bon, on l'a pas. Oui, évidemment. Bon, c'est voilà. Alors dans ce jeu, on a droit à plusieurs vues. C'est-à-dire que là, on est sur une vue de côté, hein. Mais après, on aura une vue en 3D et après une vue de dessous. Enfin, c'est assez bien fait. Selon les épreuves, ouais. Ouais. Ah mince, je n'avais pas vu l'autre qui était embusqué dans la savane. Là. Ah, du coup, j'ai pas fait attention, mais est-ce qu'on a vu l'écran titre du jeu? Oui. Parce qu'il est considéré par la majorité comme l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau de tout l'Amstrad, en fait, de toute la Logitech. Hein. Donc, on l'a au tout début, là, tu l'auras plus. On l'a vraiment au tout début. Je fais un reset. Tu fais un reset? Allez, vas-y. Tiens, ça marche pas. Ah si. J'ai oublié comment il s'appelle. Grisor. C'est Mark Jones qui l'a créé. Et il est connu sur Amstrad parce qu'il fait tout le temps il faisait des choses extraordinaires. Très très talentueux. Grisor. Je sais pas si on a vu l'écran titre d'ailleurs, j'ai un doute. Je crois qu'on a vu un truc. Ah si, voilà. Normalement, il arrive là. Ouais, voilà. C'est ça. Donc voilà, quelques pixels, hein, on voit que tout est dans la pénombre, il a réussi à mettre un pixel ici, un pixel là, et ça donne un effet de confinement un petit peu, on se sent un petit peu écrasé par ce qui nous entoure. On a vu des pattes d'alien, et on a vu un personnage au milieu qui ressemble étrangement à Arnold Schwarzenegger. En fait, oui, quand même. Ouais. Hein, quand même. En fait, cette image est là une petite histoire, c'est que quand ils ont créé l'affiche, parce que cet écran est tiré de l'affiche, hein, quand ils ont créé l'affiche du jeu, la jaquette, ben la personne s'est inspirée justement d'Arnold Schwarzenegger et d'Alien. Voilà, c'est les deux grands films qu'il a réunis dans cette image. Alors on peut voir des pattes d'Alien, on reconnaît, comme je disais, Schwarzenegger à l'écran. Et derrière aussi, il y a un deuxième personnage qui est comme ça, qui fait partie aussi du film Predator ou Commando, je ne sais plus, peut-être Predator. Les films d'action de l'époque, quoi, qui marchaient bien, quoi, en fait, hein, pour que les gens s'associent au truc. On nous dit dans le chat à propos de l'image qu'un tel travail pour quelques secondes à peine, c'est vrai. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, ce genre d'écran était réalisé pour faire patienter les chargements cassettes, parce que les chargements cassettes étaient très longs. Donc là, on est sur disquette et en plus on émule, donc ça va très vite. Mais c'est vrai que ça restait un petit peu plus longtemps. Mais... Sur les machines, ça restait longtemps, ouais. Ouais. Sachant que sur cassette, il se chargeait ligne par ligne. Ouais, en fait, même l'écran, on le voyait ligne par ligne. Exactement, ça dépendait des techniques, mais souvent on faisait ça pour gagner de la place en mémoire. En fait, au lieu de charger d'abord l'image et de l'afficher ensuite, on l'affichait entre guillemets en temps réel du chargement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on chargeait les octets de la cassette, on les affichait sur l'écran. Et donc en général, c'était entrelacé, donc on affichait les premières lignes de chaque ligne de 8 bits. Donc on affichait une ligne, 7 éléments en dessous, on affichait une ligne, etc. Et au fur et à mesure, l'image se complétait comme ça, c'était assez joli à voir. Il y a Pierre qui nous a trouvé l'image, si vous voulez la voir plus longtemps. Et il nous a mis un petit lien dans le chat. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Super C, c'est basé sur Super Contra. Ouais. Ah, c'est ça, exactement. Ouais, c'est toute la série des contrats, il y en a un paquet, hein, alors c'est un peu... Comme il n'y a pas de 1, 2, 3, c'est super contrat, machin. Lequel s'appelle Probotector, on ne sait pas. Enfin, c'est un peu le bordel. En tout cas, des conversions de ce jeu, il y en a eu beaucoup. Mais...
super jeu en tout cas, un des meilleurs effectivement de la ludothèque, hein, de l'Amiga. Il nous reste en gros 2 années et 4 jeux. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou tu reviens en deuxième semaine? On peut continuer. Ça va. J'entends pas de cri. C'est bon. À vous, t'as enfermé tes filles dans la cave. À côté des disquettes, 3 pouces. Non, tu ferais pas ça. Tu prendrais pas ce risque. Non, je les mettrais plutôt dans le grenier. Target Renegade. Target Renegade, oui, tout à fait. Donc, c'est la suite de Renegade. C'est le volume 2, donc c'est le deuxième opus. J'ai volontairement choisi celui-là et pas le 1, parce que le 1, il est magnifique. On retrouve des graphismes comme dans Grisor, puisque c'est le même graphiste qui a fait les sprites et les décors, hein, donc très coloré, très beau. Mais j'ai choisi Target Renegade parce que là, c'est personnel. Et il est lié à mon affectif, on va dire. Hein. J'ai une histoire là-dessus, je vous la raconterai. Et je trouve que ce jeu, en plus, il est vraiment super à deux, parce qu'on peut jouer à deux. On peut jouer à deux, oui. Là, le personnage qui est dessus, sur la page de présentation, là, il est connu, en fait. Hein. J'avais noté son nom, il faut que je retrouve. C'est Joe Lewis. Et donc, ce gars-là, je ne le connaissais pas, hein, avant de faire mes petites recherches. Ce Joe Lewis, c'est un pionnier du kickboxing. Voilà. Ah oui? Ah, marrant. Ouais. Bon, j'ai joué à un. Hein. Oui. Donc là, l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut jouer à deux et en même temps, ce qui était rare. Alors, je vous mets 2 secondes de musique parce qu'elle est vraiment horrible. Ah, elle est super. Non, elle est super, arrête. Ça pique un peu dans les aigus quand même. Ouais. Marie danse à côté de moi, donc. Bon, c'est tout, hein. C'est un thème qui est très court. Hein. Allez, c'est parti. Je fais 1. Ah non, je fais 1. Non, attendez. Tu peux redéfinir tes touches sinon. Hein. Ah voilà, ah mince, je vais essayer à la manette quand même. Manette ou clavier, ok. Ah merde, ça marche pas. Ah, il faut redéfinir les touches, je crois. Ouais, t'as raison. Ouais. Merde, escape, ça fait juste pause. Regarde le petit mode d'emploi qu'il m'a envoyé, c'est pour ça que j'ai l'air d'abonner. Donc là, c'est un beat'em up, hein. Donc on va traverser des niveaux. Pareil, il n'y a pas de scrolling, hein. C'est de l'écran, c'est des sauts d'écran. Et on va devoir combattre des ennemis à la double dragon, en fait. Donc, ouais. Comment j'avance là. Bon, attendez, je suis obligé de redémarrer là. Mince. Je pense qu'il faut que tu redémarres et que tu redéfinisses tes touches. Ouais. Désolé les amis. En fait, moi, pour moi, Target Renegade, c'est le double dragon que j'attendais à l'époque. Hein. C'est vraiment le jeu c'est le double dragon de l'époque. Donc, pourquoi le 2 et pas le 1? Je vais vous expliquer ça. Déjà, le 2, il faut savoir qu'il corrige quelques petits écueils du premier. C'est-à-dire que déjà, on peut jouer à 2, ce qui n'était pas possible simultanément, hein, ce qui n'était pas possible dans le 1. Et en plus, dans celui-ci, on va pouvoir récupérer des armes. Donc, on va trouver des armes au sol et on va pouvoir les utiliser ensuite dans les niveaux. Qui n'était pas possible dans le 1. Donc là, gros changement, j'ai envie de dire. Et puis surtout, il y a une petite histoire très personnelle. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Très personnel. Ouais, t'inquiète, on est tous dans le même état, c'est samedi matin. Oh, c'est dur. Voilà. Donc je vous explique. Ce jeu, il me faisait baver littéralement sur les magazines d'époque, en fait. À chaque fois que je regardais les écrans, je le voulais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Que pour la première fois de ma vie, j'ai commandé un original. Ouais, c'était le premier. Alors que je me complaisais dans la copie, dans la piraterie, je me suis dit, cette fois, je le veux vraiment, je vais le commander pour Noël. Donc, je passe commande au Père Noël. Ma mère à l'époque, oui, très bien. Ma mère à l'époque, donc, le commande sur. Je suis tombé sur un vieux flanc. C'est pas facile. Hein. Commande à l'époque sur le catalogue La Redoute. Hein, parce que sur La Redoute, on avait de tout. L'Amazon de l'époque. Et je commande donc une compilation qui s'appelait Les Défis de Taito, où il n'y avait que des hits. Hein. Si je me souviens bien, il y avait Arkanoid, il y avait Target Renegade. Et puis, ma mère passe commande, les jours passent, beaucoup de jours passent, toujours pas de compilation dans ma boîte aux lettres. En fait, les jours avançaient et le 25 décembre arrivait à grands pas et je voyais mon Noël fichu, quoi. Pas de cadeau, rien, zéro. Pas de Target Renegade.
Et donc, ma mère passe un coup de fil à la redoute et dit bon, mais comment ça se fait, toujours pas de cadeaux. La redoute dit voilà, oh on a été débordé par les commandes, on est en rupture, on sait plus comment faire, on fait tout notre possible. Bon, ben, vous l'aurez peut-être, mais c'est pas sûr. Ma mère raccroche. Elle commence à me dire bon, Eric, faut que tu comprennes, voilà, t'auras peut-être rien parce qu'en fait, il y a des retards et tout. Donc, j'étais mais, en décomposition, un peu comme ça, voilà, avec des larmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, dans notre famille, on fête Noël le 24 décembre, en fait, la veille. Parce qu'en fait, ouais. Le 24 décembre, c'est mon anniversaire. Eh mais oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on invite toute la famille le 24 décembre et on fait à la fois mon anniversaire et à la fois Noël. Et donc, c'était un samedi. Donc, ouais. Toute la famille était là. Hein, c'était le matin, 10h du matin. Bon, moi, j'étais résigné, hein, pas de jeu. Et en fait, à 10h du matin, coup de sonnerie, la porte qui sonne. Je me précipite, ne sachant pas qui c'est. Je pensais que c'était un invité de plus. Hein. J'ouvre la porte et là, le facteur avec dans sa main le jeu. Quoi. Donc, je me suis dit, finalement, Père Noël existe. C'est génial, ça. Voilà, j'ai eu mon jeu le jour J. J'ai pris ce jeu. Je me suis enfermé toute la journée dans ma chambre. Je sortais pour attraper une crevette, manger comme ça et je repartais. J'ai pas vu ma famille ce jour-là. J'étais devant mon CPC, j'ai joué et surtout j'ai essayé de le pirater parce que c'était ce qui m'intéressait le plus. Ah mais direct. J'ai sorti Discologie. J'y suis pas arrivé. Il était protégé. Même pour faire l'original, c'est plus fort que toi, quoi. Je suis pas arrivé. Et donc voilà, ça c'est l'histoire. Ouais, c'est génial. Pour ça ouais. Que Target Renegade pour moi, enfin Target Renegade. Je disais Target à l'époque, mais je dis toujours Target à la française. Ouais, mais faut garder voilà. Garder. Alors on nous dit dans le chat que notamment Margounette que elle se bagarrait en vrai avec ses frères pour pouvoir jouer à ce jeu. Si j'ai bien compris. C'est l'entraînement du coup. Ah, c'était l'entraînement. Quand tu as trois frères et que c'est que ça se joue que à deux, évidemment, il faut gagner sa place, j'imagine. Il y en a un qui regarde forcément. Il y en a un qui compte les points. Oui, non, parce qu'on pouvait jouer à deux en même temps. Donc, oui, mais ils étaient quatre en tout. Ah, mais ils étaient quatre. Et j'arrive même pas à compter ce matin. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à compter. Vous avez vu, je peux mettre des coups de pied dans les parties intimes. Oui. Alors, j'ai essayé de te montrer pendant que tu parlais. Là. Regardez, là, l'IA est géniale parce que l'IA, ça permet de faire une petite chorégraphie. Vous voyez, regardez, quand j'avance, il recule, comment veux-tu? Ouais, regardez. Bon, il y a la moto qui m'embête là, mais c'est assez marrant. En fait, Regardez, hop. Alors, la moto, j'ai pas regardé. La moto, elle est chiante. T'as réussi à l'avoir, il faut sauter au bon moment. Hein. Faut lui faire ouais, j'ai réussi une fois, mais je me suis quand même fait avoir par la moto, mais j'ai dégommé le mec quand même. Alors, je ne me souviens plus, là, j'ai un trou de mémoire. Dans le 1, je sais que c'est possible, dans Renegade, mais dans celui-là, je ne sais plus. Est-ce qu'on peut les finir au sol? Dans le 1, c'est possible. C'est-à-dire, quand ils sont au sol, on les finit, ils ont une mare de sang qui s'épanche. Je ne sais plus si dans celui-là, on peut. Ah, j'ai pas l'impression, là. Peut-être pas, je ne me souviens plus. Non, je crois pas, regardez, je reste on ne peut pas là. Ouais. Par contre, on peut mettre des coups de pied. Oui, les coucougnettes. Du Thai boxing. Donc tu peux avancer, hein, je crois. Tu peux avancer dans les niveaux. Ouais. Ouais, tout à l'heure, on t'écoutait juste parler, donc je me faisais que me déplacer pour t'écouter religieusement. Et là, les niveaux sont super sympas. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont de plus en plus beaux. Là, on est dans une sorte de sous-sol, hein, de parking souterrain. On continue. Ensuite, on est à l'extérieur. On arrive même à un moment dans un bar. On se bat à coups de queue de billard. Enfin, c'est sympa. On est même à un moment sur une rue. Je dirais. J'ai l'impression que on est vers Pigalle, j'ai l'impression. Hein. On a des dames courtes vêtues qui nous attaquent avec des chaînes de vélo. Enfin, c'est assez sympa. C'est vraiment double dragon de l'époque. Ouais, c'est un double dragon, ouais, complètement. Ouais. Bah, là, c'est pareil. Hein. Tu parlais de Commando et de Wood Arwins. Là, on est quand même dans quelque chose qui est très proche. Hein. Oui. Bon, on recyclait les bons concepts, en fait. Hein. Et oui, on pouvait ramasser des armes par terre, ouais, effectivement. Et là, il y en avait une, mais je me suis fait avoir avant. Il y avait une sorte de masse ou je sais pas quoi. Voilà, c'est un très beau jeu, Target Renegade. On attaque le suivant ou le suivant. Tu me dis hein. Vas-y, vas-y. Alors moi, j'ai plus d'affinité avec les créations originales comme celle-ci que pour les conversions, parce que je trouve que les créations originales, elles ont plus de charme en fait, plus d'âme. Une conversion, souvent, elle est ratée. On connaît l'original, on a la conversion, forcément, c'est moins bien que l'arcade. Quand c'est une création originale, ben voilà,
on y met tout son cœur dedans et on a un bon produit au final, même si c'est un petit peu copié sur quelque chose qui existe déjà avant. Alors, le manoir de Mortevielle. Oh oui, on nous dit que Renegade manoir. Était en arcade, mais Target Renegade était vraiment spécifique. Spécifique. Et il y a eu un 3, une catastrophe. Ça n'a pas marché. Renegade 3, qui est, comment dire, c'est une catastrophe en fait. Graphiquement, c'est criard. On n'arrive pas à reconnaître son personnage du décor. On dirait qu'il a un balai mis où je pense parce qu'il n'arrive pas à se déplacer. Les mouvements sont calamiteux. Les personnages, en fait, ça part complètement en live. Il voyage dans le temps, donc il se bat contre des œufs de dinosaures. Enfin, c'est n'importe quoi. Le 3, il a coulé. Ils auraient mieux fait de s'arrêter à Target, en fait. Hein. Target, oui. Ouais. Alors là, j'ai lancé le manoir de Mortevielle. Alors, le manoir, pareil. C'est toute une ambiance qui s'installe. Là, on est sur un jeu d'aventure. Il fallait que j'en mette un dans ma sélection. J'ai pris celui qui m'a le plus touché à l'époque. Le manoir de Mortevielle, pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment derrière quelque chose. Il y a une vraie ambiance, un huis clos qui s'installe. Attends, on va mettre la synthèse vocale. Et ça, c'est carrément inédit sur l'Amstrad. J'allais dire l'Amiga. Vous avez entendu ou vous voulez réentendre ? Je vous le refais. Ah, faut que je fasse shift, c'est ça ? En faisant F8, tu passes. F8. En faisant F8, tu passes. F8. Ah, je voulais leur faire réécouter une fois. Ouais. Voilà, vous avez entendu ? C'est impressionnant quand même, non ? Moi, je trouve que c'est impressionnant. Alors, pour l'époque, très impressionnant parce que c'est audible, en fait, déjà, et on comprend ce que dit la machine. Et ça, à l'époque, on faisait beaucoup de digitalisation, en fait. Hein. Exact. Donc, on digitalisait, ça s'arrêtait à ça, c'était pas terrible, il y avait du souffle derrière, c'était du son 8 bits, je sais pas, c'était pas terrible. Là, c'est vraiment de la synthèse. Il y a des phonèmes qui sont assemblés pour créer des mots. Alors là, on a une infinité de possibilités derrière. Ouais, c'est génial. Et d'ailleurs, c'est une fonctionnalité méconnue qui existe en natif sur l'Amiga. Ouais. La commande save. Exactement. J'ai fait F8, mais... Ah voilà, il fallait faire deux fois. Ah oui, d'accord, il faut faire suite à chaque fois. Non, laisse tomber, c'est moi qui suis bête. Donc là, il y a toujours la synthèse, mais j'ai coupé. Ouais, sur ce jeu, en fait, justement, on en revient à la synthèse vocale. On a quand même une digitalisation qui est sur la page d'introduction, là où on voit... Ben, on va l'écouter. Là, si tu peux mettre du son, ce serait super. Attends. Donc, je sais pas si vous l'entendez, moi, j'ai pas de retour son. Sur le jeu depuis le début. Derrière, on entend quelqu'un qui murmure un peu, en fait, qui chante sur la machine originale. Ça, il faut savoir que sur la machine originale, on l'entendait pas. Parce que le haut-parleur, je vais vous le montrer. Il était ici. Si on le voit, c'est vraiment tout petit. Il fait peut-être 4 cm de large. Et donc, c'était un genre de tweeter. Et les sons graves étaient très mal restitués sur la machine, donc on n'entendait pas les sons très graves. Et ce on l'entendait pas. Et c'est le jour où j'ai branché l'Amstrad sur un ampli que là j'ai tout entendu. J'ai dit mais c'est pas croyable quoi. Il y a quelqu'un derrière qui chante, qui voilà. Alors je sais pas si on l'entend la personne qui chante. Si on l'entend. J'ai coupé là, mais je remets un petit peu si vous voulez. On reconnaît aussi Humphrey Bogart. Sur l'écran. Ouais, qui répète effectivement, mais on est en 88. C'est vu. Hein. Et alors, petite anecdote. Alors, oui, tu parles de Humphrey Bogart. Vas-y d'abord. Sur cet écran, 2 secondes. En fait, c'est une digitalisation d'Humphrey Bogart hein, qu'on voit sur le côté. Et là, il y a une petite anecdote. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord, on ne sait pas trop. Tu peux lire le manoir de Mortevielle. Mm-hmm. Parce que, tu vois, il manque un E en fait. Parce que c'est le manoir de Mortevielle. Exact. Et là, c'est étrange parce que la synthèse vocale dit Mortevielle. On ne sait pas si c'est parce que justement la synthèse se trompe, elle voit un T
elle le prononce, elle dit Mortevielle, ou si c'est qu'il y a vraiment un E et du coup, le vrai titre, c'est Mortevielle. Mais en plus, pour ajouter au mystère, c'est que sur certaines machines, eh ben, il y a le E dans, le, dans la page de présentation, et sur d'autres machines, il n'y est pas. Donc, mystère, on ne sait pas. Ah, c'est pas mal ça. Ça veut dire que ce serait intéressant d'avoir les deux versions. Voilà. Collector. Alors, sur Amiga, par exemple, on voit Mortevielle. Il y a le E sur la page. D'accord. C'est écrit le manoir de Mortevielle. Vraiment, en dur sur, le, sur l'écran de présentation. Donc, mystère, on ne saura pas. Ah oui, il n'y a pas deux versions différentes sur Amstrad, par contre. Non, 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 c'est toujours la même. C'est Mortevielle. Sur Amstrad, il y a Mortevielle. Pourtant, il dit Mortevielle. Et sur d'autres machines, ça dépend. Suivant la machine, un coup on a mort. Ça serait sympa de poser la question à, au concepteur, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, Jérôme Lange. Ah, oui, pour revenir à Humphrey Bogart, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, il s'en foutait un petit peu des copyrights et tout le bordel. Il y a beaucoup, et toi, tu es un spécialiste là-dedans, d'ailleurs. Oui. Oh là là. Des choses pompées ou qui ressemblent beaucoup, on va dire, soit dans les jeux, soit sur les jaquettes de jeux, etc. Ouais. Tu nous avais fait tout un... Je ne sais pas s'il y a un truc qui regroupe tout ce que tu as fait comme comparaison. Enfin, on pourrait en faire une émission. On pourrait en faire une émission, exactement. Voilà, c'est, vous l'avez entendu. Ouais, j'ai pas mal. J'ai essayé de faire un répertoire sur mon PC où il y a tout ça. Donc, tous les plagiats, volontaires ou non, en général. Entre jeux ou avec d'autres médias. D'ailleurs. Voilà, entre jeux, entre des médias. Voilà. Alors, par exemple, Schwarzenegger, on en a parlé tout à l'heure, il a été repris mais des centaines de fois. Bon, ça avance. Là. Est-ce que tu as maintenu et fuite? Je maintiens, mais ça se passe. Ah, voilà. Alors, pourquoi il fallait maintenir et fuite et pas juste appuyer et fuite? Je pense que comme la digitalisation est en train de se jouer et que ça prenait énormément de ressources de la machine, ils n'étaient pas capables d'intercepter facilement la touche et fuite. Donc, il fallait maintenir assez longtemps pour qu'il ait le temps de... Voilà. En fait, il n'y avait pas d'interruption. Exactement. Le son passait, la machine ne pouvait pas faire autre chose. Voilà, exactement. Donc, à la fin de la boucle, j'imagine qu'il testait F8, et donc si on le maintenait, à ce moment-là, on tombait sur le bon moment. Exactement. Alors, belle analyse, mon cher dit David. Bah, attends. Alors, donc, il n'y a pas de souris sur l'Amstrad, hein, on ne l'a pas dit, mais c'est évident. Hein, alors, elle a existé, elle s'appelait l'AMX Mousse. Elle avait un ou deux boutons, je crois, deux boutons. Tardivement, quand même. Mais bon, bah, la plupart des gens ne l'avaient pas, hein, c'est sûr. Voilà. Donc, pour compenser, on a les touches du clavier, quoi, en fait, tout simplement. Donc, c'est un jeu point and click, mais alors beaucoup plus click que point. Hein. Oui, on a des menus contextuels, alors des menus avec des actions. Il y a Hakim qui s'en va. Salut Hakim, bon appétit et à bientôt. Merci d'être passé. Ouais, donc là, les décors tout en mode zéro, très très beau, vous allez voir, hein, pour de l'Amstrad, hein, toute proportion gardée, c'est, ça reste de l'Amstrad. Oui, oui, il voilà. Faut rester voilà, dans l'époque. Quoi. On voit que l'écran est plus petit que la normale, hein, on a réduit l'écran principal pour gagner en espace, tout simplement, hein, en kilo-octets. Et là, ben, voilà, on est devant l'imposante bâtisse. Donc ce jeu, il est génial à plusieurs égards, c'est que... Il a de la synthèse vocale, il a aussi... Bon, là, il va parler. Je ne sais pas si tu as mis du son, mais là, il va dire tout ça. Non, je n'ai pas mis, parce que sinon, on t'entend deux fois. Mais je le mets deux secondes. Les beaux-fils-Marie, bien sûr, son beau-fils Pat, des cousins Bob, Ida, Luc. La tempête redouble, il vous faut rester. Les repas sont à 12 et 19 heures. Il y a un recueillement à la chapelle à 10 heures tous les jours. Voilà. On ne le remettra pas après la synthèse vocale, je pense que vous avez compris. Ouais. En tout cas, pour l'époque, c'était exceptionnel. Et pour la machine, c'était exceptionnel. Et il faut dire qu'il gère aussi les voix féminines et masculines. Attention. Et donc, ouais, je disais, ce jeu, à bien des égards, il est au top parce que il y a une intrigue de fou déjà. Hein, l'intrigue est super. Les graphismes sont magnifiques. On est donc dans une sorte de huis clos, dans ce manoir inquiétant. L'ambiance qui est pesante, c'est l'hiver, il fait froid. Il y a des digitalisations de bruitage, donc on entend un hibou qui se met à ululer, on entend des craquements, enfin bref, c'est énorme. Et on peut interagir avec des personnages, on peut leur parler. Exact. Ah, ça, c'est top parce qu'on a l'impression d'être vraiment Hercule Poirot. Hein. Voilà, on se balade, on est libre parce qu'on peut aller dans toutes les pièces à volonté. Et donc, on avance comme ça dans l'énigme et on essaie de trouver, savoir qui a tué Julia.
Exactement. Le colonel Moutarde. Ah bah c'est complètement ça, oui. Avec le chandelier. Alors, dans la cuisine. Pierre Delpiot te donne un lien vers une image qui ouais. est à rajouter à ton panthéon des images recopiées sur quelque chose d'autre, qui a été recopié sur un comics. Et il est bien placé pour savoir que c'est le cas parce que c'est lui qui a fait l'image. Donc voilà, tu as le lien dans le chat. Alors j'irai voir, je l'ai pas là, j'ai pas le chat sous les yeux. Ah oui, t'as pas le chat, je te l'enverrai. Très bien. Je te le copie-colle ici, tiens d'ailleurs, tu le verras tout de suite. Comme ça, on l'oubliera pas. Ah, c'est pas bon lien. Bon, c'est pas grave, je te le copierai après. Alors, tournez la disquette. Alors là, il faut que je tourne la disquette, mes amis. Alors je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller plus loin parce que finalement après le jeu, ça se résume à faire des actions. C'est un jeu d'aventure avec des images statiques. Ouais, alors statique oui et non parce que quand tu vas ouvrir des choses, les portes vont s'ouvrir, tu vois. T'as quelques petites animations. Ben voilà, par exemple là on est dans une chambre, tu peux essayer d'ouvrir, je sais pas, peut-être l'armoire ou voilà pour voir ce qu'il y a dedans. On va essayer ça. Essaye, fouiller, ouvrir, je sais pas ce qu'on a. Oui, on a ouvrir. Donc ça reste un point and click et ça c'est top hein. Pour l'Amstrad. Alors, on a c'est vu l'animation là. Oui, c'est un point and click, ouais, sauf que au lieu d'avoir comme dans le Motor Scum les verbes en dessous, c'est-à-dire là où il y a les phrases. Hein, oui. Et je LucasArts, c'est en dessous les verbes et les actions. Là, c'est dans un menu déroulant. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les menus déroulants comme ça n'existait pas ou quasiment pas. C'était le top d'avoir un menu déroulant. C'était génial d'avoir ça. Alors, ce menu déroulant, moi, il me rappelle OCPR Studio. Tu connais OCPR Studio ? Bien sûr. Ouais. Voilà, c'était les menus comme ça. On ne pouvait utiliser qu'un crayon optique. Oui, un logiciel de graphisme extraordinaire. Et tu vois, tu as une petite horloge sur le côté. Tu vois l'horloge, là ? Oui, en jaune. Il y a une horloge, parce que le temps est important. Il y a un temps, c'est important. Rencontrer des gens au bon moment. Voilà, rencontrer des gens à une heure précise, on donne des rendez-vous, le temps avance, on a un temps pour résoudre l'enquête. Voilà, super jeu, vraiment, super. Et Kier Delpiot valide les menus déroulants de OCPR Studio qui étaient… Ah oui, extraordinaire. OCPR Studio. Une autre planète, quoi. Ah ouais. Ah mais c'est là-dessus que j'ai commencé le graphisme, en fait, hein, sur OCPR. Ah oui. Il y avait vraiment tout. Génial. Ah, c'était la classe, hein. Par contre, à la manette, on plaçait les pixels. À la manette. Un par c'est un. Vrai. Ouais, un par un. C'est vrai ce que nous dit Margounette. Il y a aussi notre état de santé. Et là, on est cool. Voilà. Ouais, on est cool. En fait, cool, je ne suis pas sûr que ce soit l'état de santé, si. Moi, je ne sais pas. Bah, c'est l'état. C'est pas de santé, mais de. Ton état. Comment tu te sens, quoi. Je suis pas sûr. Alors peut-être, je vais te dire une grosse bêtise. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai. Moi, stressé, etc. Ouais. Ok, bon, c'est quelque chose Ah mais vous avez raison. Alors tu vois là, j'apprends un truc aujourd'hui. J'ai toujours cru que ça, c'était la température de dehors et qu'il l'avait jamais traduite parce qu'il faisait froid, il faisait cool. Mais ouais, je dois avoir tout faux. Hein. Je pense que j'ai tout faux. C'est un jeu français quand même. Ah oui, il faut le dire. Voilà. C'est un jeu français. Non, je crois que c'est. Non, c'est ça. C'est cool. Ouais. Tu dois t'as stressé. Bah, tu vois. Ouais. Tu vois, 40 ans après, j'apprends encore des choses. C'est incroyable. Incroyable. 40 ans, tu te vieillis un peu quand même. On passe à 89. Allez, on passe. Allez, on est sur le. Sur façon, le... Il reste plus que deux jeux. Exactement. Ah, c'est bon, c'est cool. Tes filles vont bien. Ouais, j'ai pas de nouvelles. Soit elles sont tombées d'inanition, soit ça va, ça se passe bien. Soit elles vont t'en vouloir toute l'après-midi. Allez, on commence par un que j'ai déjà montré, qui est super, mais j'ai hâte de. Bon, on passera plus vite du coup, si tu l'as déjà montré. Ah, attendez, j'ai oublié de faire reset. Fais reset à papa. Surtout que sur celui-là, j'ai pas grand chose à dire en fait. J'ai une anecdote, ça se limite à ça, donc si tu veux, on pourra passer assez vite sur celui-là. On va faire en play normal. C'est ouais, le normal. Dangerous 5 que je lance. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le normal. Le Play Plus, c'est qu'il a été adapté pour les CPC Plus, donc il a une image de présentation qui est plus. Ah, sympa. Plus opulente. Bon, là j'avais mis l'émulateur CPC classique, donc je vais pas. Oui, non, mais t'as bien fait. Allez, donc je voulais déjà montrer ce petit jeu, c'est Rick Dangerous. Autrement dit, en gros, Indiana Jones, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Donc Rick Dangerous, il est considéré comme l'un des jeux les plus difficiles de l'Amstrad. On met à côté Airwolf, qui est c'est un autre jeu qui est vraiment imbuvable. Si on met celui-là de côté, on arrive rapidement sur Rick Dangerous, qui est un die and retry,
mais vraiment, il ne pardonne pas. Il pardonne pas la moindre erreur. C'est-à-dire que chaque tableau, il y a un ou plusieurs dangers. Et voilà, il suffit de se prendre dès le début, hein, ça commence, hein, c'est un rocher qui est dessus. Hein. Donc, comme tu disais, c'est Indiana Jones, on se remémore cette scène où il court et derrière lui, il y a un gros rocher qui tourne. C'est ça. Hein. Donc là, tu as pris les biens finis, tu as tout pris, donc tu vas t'en sortir, je pense. Voilà. Alors, effectivement, tu perds à Airwolf, mais la différence avec Airwolf, c'est qu'il est difficile, mais il est nul. Et puis, il ne se termine pas, en fait. Il a un bug. Tandis que Rick Dangerous, c'est difficile, mais il est génial. Ah, il est génial. Ah ouais. Le level design. Tu connais les niveaux, merde, je me suis trompé. Alors il faut apprendre par cœur. Là, c'est du par cœur, vraiment. Il faut apprendre chaque niveau par cœur si on veut avancer. C'est pour ça que les vies infinies, on les prend. Parce que... c'est bien vers le haut. Oui. La petite histoire. Tu sais que c'est le même studio qui sera plus tard à l'origine de Tomb Raider. Exactement. Donc c'est incroyable. Ça ressemble là, d'ailleurs. Ça ressemble effectivement. Et dans Tomb Raider, donc là on joue avec Rick Dangerous. Rick. Est-ce que tu sais comment s'appelle le père de Lara Croft? Tu veux me dire qu'il s'appelle Rick? Il s'appelle Richard. R-I-C. Excellent. Richard. Et c'est pas officiel, mais beaucoup voient là-dedans en fait un clin d'œil. Comme quoi, en fait, là, tu joues le père de Lara Croft, en gros. Ce serait logique. Richard Croft. On me dit non à côté. Croft. Richard Croft. Ah ouais. Bon, à mon avis, c'est fait exprès. Enfin, ce serait logique. Je vais essayer d'aller un peu plus loin, quand même, en me concentrant. Et là, en fait, quand il a créé ce jeu-là, le concepteur, il voulait vraiment reproduire les sensations qu'on a dans un film, en fait. Je trouve que, toute proportion gardée, y a mon chien qui vient de se péter la figure, mort de rire. Bah, c'était ça, ce bruit. Il vient de s'étaler, mais un truc de fou. Il a voulu sauter, mais c'est un... Je dis tout, hein. C'est un bulldog français, il n'est pas plus haut que ça, donc il a des pattes comme ça. Il a voulu sauter un truc comme ça. Il s'est rétamé la figure, un peu comme toi dans le jeu, en fait. Il s'est étalé. Bon, je vois bien, oui. Bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est que toute proportion gardée, je vais y arriver. Je trouve qu'on a quand même une sacrée ambiance aventure là, non? Mais j'adore ce jeu. Mais c'est vrai que s'y remettre dedans, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ouais, puis il est très dur, très très dur. Il n'y a rien à faire. Hein. Ouais, il est dur. Puis si on n'est pas loin. Puis vous avez vu, les checkpoints, ils sont quand même loin. Hein. Ouais. Mais pourquoi ils se retournent, cette andouille? Voilà, non mais où? Une balle dans la tête. Alors je suis un chasseur de trésors relativement peu pacifiste. Hein. Ah oui, là, c'est le massacre. Hein. Je dégomme tout ce qui... Là, l'autochtone, il y passe. Hein. Ah, bah oui. À la fin, il y a pas de... C'est pas politiquement super correct. Là, tu pilles et tu massacres. Voilà, c'est ça. Écoute. Mais dans la bonne humeur, j'ai envie de te dire. Ouah, ça va. Ça reste un jeu. Parce que les gens, aujourd'hui, ont du mal à avoir ce recul. Quoi. Oui, c'est vrai, il faut faire tomber celui-là. Là. Ah, je me suis avoir. Bah, de plus en plus, oui. Hein, surtout, hein, on va pas rentrer dans une polémique, mais surtout maintenant, c'est tout de suite l'élevé de bouclier. Ah, attention, Sur n'importe quel sujet d'ailleurs. Sur tous les sujets, ça va, c'est bon. Regardez, je m'en sors pas si mal. Et là, tu assures. Hein. Là, je trouve que tu assures. J'ai cassé la. Ah, mais je m'en fous, j'ai pris à l'infini. C'est pas grave, c'est infini. Alors, normalement, quand on n'est pas à l'infini, il faut pas casser cette caisse de munitions parce que, évidemment, c'est des munitions. Elle est précieuse. Comme je viens de précieuse. Le dire. Voilà, donc il faut vraiment le connaître par cœur. Là, tu vois, je suis pas mort parce que il y a une difficulté particulière. Je suis mort parce que je savais pas qu'il y avait des pics en dessous de mes fesses. Voilà, comment le deviner, je sais. Comment le deviner sans mourir une fois? Exactement. Ou alors un coup de bol monstrueux. Ou alors il faudrait qu'il y ait un scrolling. Et là, parce qu'il y en a un quand même, mais il est par son écran. Ça changerait quand même vachement le gameplay. Ouais, c'est vrai qu'il y aura là, en l'occurrence, ce scrolling changerait complètement le gameplay. Quoi. Ouais, on le finirait rapidement, je pense. Hein. Ouais, alors, merde, c'est tu sais ça, que quand tu connais le jeu parfaitement, tu peux le finir en une heure quand même, hein, en le connaissant parfaitement. Une heure, quand même, une heure, c'est pas mal, hein, parce qu'une heure, c'était déjà... C'est long, hein, c'est long. C'est long, ouais. Parce que souvent, là, j'ai bien fini, mais normalement, je suis mort depuis longtemps, j'ai que 3 vies ou 5 vies. Et on reprend du début, hein, il faut bien savoir, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de truc comme ça, donc on reprend du début à chaque fois. Et puis surtout, souvent à l'époque, on mettait de la difficulté pour cacher le manque de longévité du jeu. Donc en gros, plus c'était dur, plus on se disait, ouais, le jeu finalement, il va être très court. Là, ce n'est pas du tout le cas, il est difficile et long.
Chapeau. Chapeau. Effectivement, Kerr des Piottes nous dit qu'on tue les autochtones, mais c'est leur faute parce que si on fait rien, c'est eux qui nous tuent. Ouais, tout à fait. On se défend finalement. Ouais, on se défend. La légitime voilà. défense. Ils n'ont qu'à nous donner leurs artefacts gratuitement. Voilà, ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est aussi que cette histoire là bah, attendez. Pas généreux. Ouais, je suis encore. Une chauve-souris, là. On passe au dernier jeu. Allez, le dernier. Il s'acharne sur toi avec une sauvagerie mêlée de férocité. Voilà, ça c'est tout pour les fait. Fans de Kaamelott. Et ça, il faut le punir. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, on attaque le dernier jeu. Là, on a réussi notre tour de force en deux on heures. On y sera hein, arrivé, ouais. J'aurai affamé mes enfants, mais on y sera arrivé. Ouais, ils vont t'en vouloir. Elles vont t'en vouloir, pardon. Non, mais elles vont être contentes. Je vais leur faire des burgers, du coup. Pas la chance, on peut venir. Oui, vous êtes les bienvenus. On fera une petite partie de. Ah ouais. On a réussi à se voir quand même entre deux confinements, Eric, hein, cet été, ouais. C'était cool. Ouais, j'espère que ça va vite revenir tout ça. Hein. Ouais, espérons. La machine à café, t'as réussi à la dompter finalement, au fait. Petite question comme ça oui, entre nous. Oui, en fait, il n'y avait qu'un bouton, donc on m'a appris à l'utiliser. Appuyer sur celui-là. Appuyer au bon moment, c'est tout. C'est un peu un die and retry aussi, hein, la machine à café. C'est-à-dire, si tu n'appuies pas au bon moment, ça ne marche pas. Il faut apprendre de mes erreurs. Mais ça y est, je vais faire le café. Donc, Shufflepuck. Regardez cette image, hein, incroyable. La cantina, j'ai envie de dire. Hein. Ça ne te rappelle pas un petit peu cette scène alors, moi, de Star Wars voilà. Alors, moi, je t'arrête tout de suite. Je ne connais pas Star Wars, mais je sais ce que c'est la cantina quand même. Non, mais je suis un peu comme toi. Je suis pas fan de Star Wars. Moi, je suis un Trekkies. Hein. Je suis fan de Star Trek. Je le revendique. Je préfère Star Trek à Star Wars. Mais j'ai quand même vu les trois premiers épisodes. Et voilà, cette scène, elle est mythique. Hein, la cantina. Alors, c'est pas exactement celle-ci. Hein, mais dans la cantina, la scène, on voit plein d'extraterrestres qui ont des formes et des visages différents. Et ben, c'est vrai que quand on regarde cet écran, on a l'impression de se retrouver dans cette scène avec tout un tas d'extraterrestres plus bizarres les uns que les autres. Avec une charmante demoiselle au fond. Bref, sympa. Une diseuse de bonne aventure, on dirait. Mais c'est ça. C'est une... on verra en jouant. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle a des pouvoirs. Elle a des pouvoirs par la télékinésie. Musique qui, somme toute, n'a pas grand-chose à voir avec l'ambiance de l'image. Très bizarre, cette musique. Tu es d'accord avec moi. Très étrange. Hein. Quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je l'ai réécouté sur Amiga, et en fait, c'est samplé, et c'est encore pire. Enfin, pas pire, j'ai envie de dire, mais elle est étrange, hein, des sons qui partent dans tous les sens aigus. Hein. C'est vraiment bizarre. Surtout, ça colle pas à l'ambiance, j'ai l'impression. Non, ouais. On s'attend à une ambiance un peu spatiale, tu vois, un truc. Est-ce que c'est un Ewok ? Oui, il y a peut-être un Ewok. Et puis, on a surtout sur la toute gauche un robot qui sert à boire et qui ressemble vachement à C6PO, là. Ouais. C3PO en anglais, ou l'inverse, je ne sais plus. Donc là, sur cette image de présentation... Ah pardon, je t'ai coupé. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je disais, sur cette image de présentation, on retrouve quasiment, parce qu'il y en a un qui n'est pas jouable, quasiment tous les adversaires qu'on va affronter dans le jeu. Donc le jeu, tout simple, c'est le jeu du air hockey. Donc le air hockey, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas fréquenté les bars malfamés de l'époque, c'est ce jeu qui se passe sur une table sur coussin d'air. On a un palais. Et on envoie, grâce à une raquette, le palais dans les cages de l'adversaire. Sauf que là, c'est plus des cages. On a une vitre en face de soi. Et le but, c'est de briser la vitre de l'adversaire. Donc, tu viens de te faire briser ta vitre, mon cher David. Donc, tu perds. Tu vois que y a un petit robot qui vient de temps en temps, qui vient marquer les points. Donc, il faut battre l'adversaire. Enfin, là, il n'y a pas de robot, je vois. Là. Oui, il n'y a pas de robot. Oui, c'est curieux. Ouais. Alors c'est peut-être dans le mode entraînement. Peut-être sur Amiga. Ouais. Peut-être sur Amiga. Ou dans le mode entraînement, peut-être, je ne sais pas. Donc là, les adversaires sont de plus en plus difficiles à battre. Alors j'ai été bon à ce jeu, fut un temps. Mais il faut s'y remettre. Hein. Mais là, je trouve que tu commences par un adversaire très costaud. C'est pas lui, normalement. Hein. Je ne sais pas quel mode tu as choisi. Tu as dû cliquer. J'ai pas fait attention. Ouais, tu as dû cliquer sur lui, en fait. Moi, je te conseille de cliquer, de revenir en arrière et de cliquer plus sur un petit être qui est au fond. On voit que ses yeux comme ça. Là. Je sais pas comment je fais. Il faut que je perde la partie, je suppose. Ah, peut-être. C'est moi ou ça lag ? Non, parce que j'ai fait escape pour faire pause et en fait, j'arrive pas à remettre. Ah, c'est des pauses. C'est des pauses. Je pense qu'il faut que tu relances carrément l'émulation de zéro. Tu crois ? Ouais. Ok. C'est parti.
Donc là, il y a une vraie physique qui a été incorporée au jeu, parce que voilà, là, le palais, c'est exceptionnel, quoi. Plus on tape fort, plus il va vite. On peut le diriger un peu à la arcanoïde, un peu à la, j'ai envie de dire, à la casse-brique, c'est-à-dire si on sabre comme ça, si on fait un lift, tac, sur la balle, enfin sur le palais va partir comme ça. Et donc chaque adversaire a sa propre logique et ses propres failles, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver la faille chez l'adversaire. Certains vont être réceptifs au palais qui part très vite, donc ils vont pas avoir le temps de réagir. D'autres vont être un petit peu plus faibles lorsque le palais fait des zigzags. Certains vont s'essouffler au fil des parties, c'est-à-dire qu'au début ils seront imbattables, mais il va falloir persévérer, et au fil des parties, mais ils vont devenir de plus en plus faibles. Et ça, c'est le cas d'un personnage tranquille. Eh ben, moi, je te conseille, si tu veux jouer tranquillement, voilà, celui-là. Le tout petit personnage avec qui est rose, là. Voilà, les lunettes, lui, il est cool. Et on a un personnage qui s'appelle Lexington, je sais plus comment, qui, à chaque fois qu'il gagne, va boire un peu de vin. Et au bout du compte, il va devenir de plus en plus bourré, en fait. Donc, au début, l'astuce, la stratégie, c'est de le laisser gagner. Il boit des coups. Il commence à faire n'importe quoi. On voit son palais qui commence à partir un peu n'importe où. Et là, on arrive à le battre, finalement. Donc, le but du jeu, c'est de se faire battre au début, en fait. C'est sympa, hein. Donc, regardez ses yeux, là, c'est génial. Ouais, il y a plein de petites animations, c'est sympa. Donc, lui, c'est l'être faible. Ah, voilà, lui, il est facile. C'est le maillon faible, lui. Donc, voilà, il est faible, il envoie la balle tout doucement. On peut le fracasser très rapidement, en deux temps, trois mouvements. Il suffit de faire un zigzag, il est perdu. Oui, voilà. Il suffit de taper fort, il n'arrive même pas à déplacer son palais. Et donc comme ça, au fur et à mesure des personnages, on va aller vers les plus, ben ouais, on va arriver vers les plus difficiles à battre, quoi. Coriace. Voilà. C'est assez chouette. Hein. J'ai beaucoup joué à celui-là aussi. Hein. On dirait pas là parce que ça fait 30 ans que j'ai pas joué, hein, mais à l'époque, ça défendait pas mal. Là, tu joues à la manette ou aux touches ? Non, au clavier. Au clavier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je ne sais pas sur la version Amstrad si c'est possible, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de souris, mais sur la version Amiga, oui, il est possible de jouer à la souris. Et là, je dis, je crie au génie. Je crie au génie en plusieurs mots. Sur Amiga, je pense. Ouais. Pas en un mot, hein, crie au génie. Non, je crie au génie. Bref, je crie au génie. Parce que là, on retrouve les prémices de la Wii. C'est-à-dire qu'on va prendre... on a l'impression de prendre la raquette dans la main et de la lancer. Voilà. Donc là, on a le mouvement. Donc là, on est complètement intégré dans le jeu, en gros. Et ça, c'était une première. C'est sur Amiga que j'y jouais, effectivement, parce que j'ai ce souvenir d'y jouer à la souris, en effet. Voilà, et tu tapais comme ça, tu donnais le mouvement à la main, et du coup, bah, tu étais vraiment intégré au jeu, quoi. T'étais dedans. C'est génial, ce jeu. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vraiment, il est génial. Bah, là, il est moula chic, parce qu'en fait... C'est à cause de mon adversaire et puis moi aussi. L'adversaire. Il est mou. Hein. Une table à glisser, c'est le terme québécois, c'est ça ? Une table à glisser, tabernacle. Tabernacle. Il faut toujours mettre tabernacle à la fin. C'est le bon bruit de verre cassé, ouais. Ouais. Donc voilà, ce jeu, bah, sympathique, il ne paye pas de mine. Hein. C'est l'évolution du Pong, finalement. Hein. Connaissez Pong, bon, c'est les bons. Ah oui, complètement, oui, mais avec un cadre, un contexte qui fait qu'on connaît tous ce jeu de fête foraine et que qui apporte. On ne pouvait pas jouer à deux, hein, n'est-ce pas ? On ne pouvait pas, non. Graphiquement, je trouve qu'il est bien pour de l'Amstrad, il est vraiment très beau. Alors, sur Amiga, peut-être qu'on peut jouer à deux, je ne sais pas, je m'avance, je ne sais pas. Ben ouais, je ne suis même pas sûr. Je ne sais pas. Voilà. Vous avez bien compris, quoi. Voilà. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on voulait. On y est arrivé. Je vais pouvoir aller faire que mes burgers. Maintenant, c'est burger. Voilà. Alors, j'avais préparé. Tu l'as pas. Je l'avais préparé. J'avais préparé un jeu bonus, on va dire, un jeu qui allait clore, on va dire, toute cette période, parce que l'Amstrad était moribond aux alentours de 90. Après 90, il n'y a plus grand chose qui est sorti dessus. C'est les 16 bits qui ont pris le pas. Mais j'ai envie de dire, les passionnés ont continué de développer sur cette machine. Et en 93, il est sorti un jeu que beaucoup appellent la vitrine technologique de l'Amstrad pour l'époque. Parce que maintenant, il y a d'autres choses qui sortent, qui tirent parti de
de la machine, des choses incroyables qu'on savait pas faire à l'époque. Mais en 93, on était encore dans le dans l'époque Amstrad Amiga 8-16 bits. Et il y a un jeu qui est sorti, je l'ai pas eu à l'époque moi, je l'ai eu que beaucoup plus tard, je l'ai découvert plus tard. Et ça, ce jeu c'est Xiphos Fantasy, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il faut vraiment que tu le fasses. C'est un jeu qui c'est une sorte de est-ce que tu as connu sur Amiga Wrath of the Daemon? Oui, mais c'est le jeu dont nous parlait Pierre. C'est Pierre qui a fait l'image, justement. C'est ce jeu-là dont il nous parlait. Ah, ben voilà. Et ben voilà. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu extraordinaire. Il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a de l'overscan. Il y a des graphismes magnifiques. Il y a de la digite. On retrouve les combats de Barbarian. Un peu moins nerveux, certes. Mais il y a tout. Il y a des graphismes de folie. Il y a de la digitalisation sonore. Un coup, on est sur un cheval. Un coup, on se déplace à pied. Il y a des monstres de partout. Il faut le voir pour le croire. Franchement, il faut mettre les vies infinies et il faut le faire de A à Z. C'est incroyable pour 93 et surtout pour la machine de voir ça, quoi. Voilà. Donc, je l'avais préparé, mais je l'ai enlevé au dernier moment parce que je me suis dit, il faudrait consacrer, je sais pas. On va faire une émission spéciale et on invitera Pierre, alors, du coup. Il a fait quoi, Pierre? Mais ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a fait sur ce jeu? Ouais, les graphismes, apparemment. Alors, il connaît FFS. Enfin, il a connu. Fabien Fessard, Stéphane Saint-Martin. Ouais, le regretté FFS, qui était très très fort, hein, incroyable. Et Stéphane Saint-Martin, exactement. Mais je savais pas, mais on a une sommité là. On a une sommité dans le chat, hein, franchement. Mais on dit que le jeu est super naze, même s'il a beaucoup de choses dedans. C'est une vitrine technologique, c'est comme Shadow of the Beast. Moi, je l'adore ce jeu, Shadow of the Beast, mais 99% des gens estiment que c'est pas un jeu, qu'il est nul, gameplay pourri, voilà. Je le comprends, hein. Je le reçois, même si ça m'attriste beaucoup. Je le reçois. Mais je vous entends. Mais moi, j'ai envie de dire, voilà, c'est des jeux, il faut les montrer, c'est des vitrines, il faut les montrer, forcément. Mais, ils étaient là à l'époque et ils ont poussé la créativité au paroxysme de la machine, quoi. Et donc, même si si on n'aimait pas trop jouer avec, parce que franchement, c'est vrai qu'on s'ennuyait souvent dans ces jeux, ben, rien que pour le plaisir de voir ce qu'il y avait après, de voir la prochaine prouesse, ben, ça valait le coup de jouer. Moi, tu vois, j'ai joué à The Last of Us, le 1. Ben, j'avoue que les 50% du jeu, les premiers 50%, je me suis pas vraiment amusé dedans. J'ai joué parce que je voulais voir la prouesse technique. Et en fait, je trouvais le jeu pas terrible. J'ai trouvé que le gameplay, il se débloquait au bout de 50% du jeu. Et là, je me suis amusé. Là, j'ai pété du monstre, du zombie, voilà. Là, je me suis amusé. Mais j'ai trouvé que les 50. Et pourtant, on l'a encensé ce jeu. Il est encensé, Last of Us. Il t'a marqué quand même. Il m'a marqué. C'est ce que je veux dire. Shadow of the Beast ou j'ai oublié le nom. Xiphos Fantasy. Xiphos Fantasy, oui. Voilà, ils ont. C'est des pierres angulaires. Il faut pas les oublier parce que voilà. On dit, c'est des jeux nuls, on s'amuse moins bien que sur Mario. Bah ouais, mais ils ont fait autre chose à côté. Ouais, Mario c'est sûr. N'a pas fait. Et je trouve que c'est poussé encore plus loin. Et ça, du coup, les gens après se disent, il va falloir faire mieux, les gars. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, eux, il va falloir faire mieux. Ouais. Ça pousse toujours plus loin. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de jeu. J'ai fait un gros laïus, là. Hein. Je me suis non, c'est intéressant. Cherché, alors, Kier Delpiot nous dit qu'effectivement, Xiphos Fantasy, c'est un produit de Demo Maker. Hein, effectivement, oui. C'est vraiment de la prouesse technique, comme tu le disais. Et il ajoute qu'il a fait aussi les graphismes de la démo Shadow of the Beast sur ses PC. Tu la connais? Ah, mais bien sûr. Mais, c'est lui qui a fait les graphismes. Mais attends. Alors, avec Overflow, par Overflow. Ah, oui, j'allais dire, mais tu es Overflow. Non, parce qu'Overflow, je le connais. Je l'ai rencontré dans la vraie vie, un gars super, génial, sympa au possible. Pour la petite histoire, c'est Overflow d'ailleurs qui a vendu sa GX4000 à Hakim Loati, qui était là il y a pas longtemps. À la dernière alchimie, on s'est rencontrés tous dans la vie réelle, donc. Et il lui a passé. Et oui, alors Overflow, champion technique, incroyable. Bon, ça reste une démo, mais il a fait les scrolling parallax. Je crois même qu'il y en a plus que sur Amiga, sur ses PC, quoi. Et d'une fluidité à toute épreuve, avec un personnage qu'on dirige, donc une démo jouable, incroyable. Ben, ouais. Chapeau, Carte Del Piot, tu as toute ma reconnaissance. Je te fais des courbettes. Je te fais plein de courbettes. Eh ben, sur ces courbettes. Vous remarquerez que je n'ai pas de calvitie quand même, hein, malgré mon grand âge. Ouais, pas mal, hein. Hein, quand même. Même si je suis grisonnant. Tu t'en sors bien, hein.
Là, je pars en vrille. C'est la fin. La fin dans tous les sens du terme. Ouais, d'ailleurs, on a tous faim. Il est 13h, alors on fait pas de. C'est le paradoxe. On fait pas de space race alors que tu es là. Mais on en fera un samedi prochain, bien évidemment. C'était génial cette émission, Eric. Il faut qu'on refasse des trucs comme ça sur des thèmes. On peut parler d'Amiga, on peut parler de effectivement les images là pompées à droite à gauche. Salut Laurent, bon week-end et bon appétit. Et voilà, il faut qu'on fasse art, on peut faire une émission. Oui. Je suis pas un pro du tout. Hein. Je suis complètement autodidacte dans le truc. Personne n'est pro ici. Voilà, je m'amuse mais je pourrais expliquer mes techniques, si on peut appeler ça technique. Hein. Je place du pixel, hein, je m'amuse à agencer du pixel. Après, advienne que pourra, et puis ça donne les images. On pourrait en faire une en live d'ailleurs. Ouais, mais carrément. Ce serait sympa. En fait, ça permettrait de montrer aux gens que c'est accessible à tout le monde. Hein. Il y a des logiciels qui permettent de faciliter les choses. C'est plus comme avant où il fallait vraiment partir de zéro d'une page et puis tout reproduire sur l'écran à la manette, pixel par pixel. Maintenant, il y a des logiciels qui permettent de faire des transferts. Alors, c'est clair que les puristes diront c'est pas du graphisme. C'est vrai que moi, j'ai du mal de partir de zéro. Hein. Il faut vraiment que j'ai une base pour avoir les bonnes proportions. Donc, on verra ça si vous voulez. Ouais, on partira d'une image, vous la choisirez même à la limite. Et puis, on essaiera de la reproduire sur ses PC avec ses outils. Avec ses outils, on fera un truc en live. Il y a moyen de faire des trucs sympas. Voilà. Ouais, maintenant, on sait que tu peux enfermer tes filles dans ta chambre au moins 2 heures, dans leur chambre au moins 2 heures. Donc, on là, est pas mal. Mais là, je pense que je suis à la limite, là. Vraiment. Il va y avoir rébellion. Ouais, là, je pense que. Ils ont intérêt à être bons, les burgers. Sinon, je vais me les prendre à la tronche. Ouais, c'est ça. Avec l'Amstrad, comme ça. Non, pas l'Amstrad, mince. Sinon, tu vas les déshériter, quoi. Il n'y a rien à. Alors là, sans souci, à part. L'Amstrad. Oui, donc du coup, finalement, voilà. Donc en fait, tu serais auto-puni, quoi. Auto-puni, elle s'auto-punirait. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous les gens qui étaient là. C'était chouette de vous avoir. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous, comme ça on pourra recommencer si vous voulez. Ouais. Ce soir, n'oubliez pas, c'est la mare aux grenouilles à 18h. Hein, donc rejoignez-nous, on va parler de choses complètement différentes, de musique, de littérature, de cinéma et même de chaînes YouTube. Voilà, à 18h en live, un peu comme là, avec le même outil, et sauf qu'on sera 4 et demi, voire 5. Des gros bisous et on nous dit merci sur le chat. Voilà, merci sur Harmonix aussi d'avoir été là. Et bon appétit à tous et à ce soir, 18h. On fera la même avec tes Amiga. Salut Eric, gros bisous. Allez, ciao. Gros bisous, bon week-end. Bye bye, bon week-end. Bye.